Bonsoir, sur France 2, un mercredi sur deux, vous découvrez les stars comme vous ne les avez jamais vues. Grâce à cette oreillette, impossible pour elle d'utiliser la langue de bois. Bienvenue dans Panique dans l'oreillette. Avec vous ce soir, le publicitaire le plus célèbre de France. Son talent a permis de vendre des voitures, du café, des yaourts, mais également de faire élire des présidents, et pas seulement en France. Sa spontanéité, son sens de la formule et de l'autodérision ont fait de lui l'ami des grands de ce monde et le client télé idéal. Merci d'accueillir Jacques Séguéla. À ses côtés, une animatrice de télévision spécialisée dans les grands shows de variété. Elle a côtoyé les plus grandes stars de la chanson, au point de devenir à son tour une star aux centaines de couvertures de magazines. Sa vie passionne les foules et les paparazzis. Ce soir, grâce au procédé de l'oreillette, nous irons au-delà de l'image médiatique. Il s'agit de Flavie Flamand. Dans un instant, Flavie Flamand et Jacques Séguéla vont s'installer dans ses fauteuils pour répondre à mes questions. Mais je ne serai pas seul face à eux, puisque certains de leurs proches seront ce soir mes complices. Ils seront cachés là-haut, dans cette bulle, et pourront me souffler leurs questions dans l'oreillette. Ils vont parfois les déstabiliser et nous aider à mieux les cerner. Vous verrez tout, vous entendrez tout, mais pas eux. À la seconde où je vous parle, et à ce moment précis de l'émission, Jacques Séguéla et Flavie Flamand sont enfermés dans leur loge. Normalement, ils n'ont ni le son, ni l'image, pour que je puisse à leur insu vous présenter mes complices. Ma première complice et Jacques Séguéla se sont rencontrés en 1977. Elle était stagiaire dans son agence de publicité. À l'instant où il l'a vue, il a su qu'elle était la femme de sa vie. Plus de 30 ans et 5 enfants plus tard, ils sont toujours amoureux comme au premier jour. Merci d'accueillir l'épouse de Jacques Séguéla, Sophie Séguéla. Sophie est extrêmement frileux, figurez-vous. Il est capable de venir dîner en doudoune par 25 degrés. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Mon deuxième complice et Jacques aiment se retrouver loin des plateaux télé. Ils sont très proches, à tel point que c'est Jacques Séguéla que mon complice a choisi l'année dernière pour être son témoin de mariage. Merci d'accueillir mon confrère Guillaume Durand. Ce qui bluffe, Guillaume, c'est Jacques. C'est sa capacité à changer d'avis et sa façon unique d'assumer ses volte-face. Ça va, très bien. Ça va bien ? Ça va. Mon troisième complice connaît Jacques depuis 18 ans. Ils se voient très souvent et aiment passer leurs vacances ensemble. Autant dire qu'elle le connaît bien. Merci d'accueillir Perry Cochin. Ce que Perry aime chez Jacques, c'est sa façon de défendre coûte que coûte ses idées et de toujours penser qu'elles sont les meilleures. Bonsoir. Ça va ? En forme ? Super forme. Vous savez que les téléspectateurs, à ce moment de l'émission, ne se posent qu'une seule question. Est-ce qu'il a essayé de savoir que vous étiez là ce soir ? Non, honnêtement, pour une fois, il n'a pas passé des coups de fil pour dire « Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu es au courant ?» Rien, il a fait le mort. Guillaume. Non. Le mort. Pour vous, c'était plus compliqué. Comment vous avez fait ? Vous avez un peu inventé une histoire, un peu quand même ? Non, j'ai... Tranquille. Tranquille ? Tranquille. Bon, je vous présente les amis de Flavie Flamand qui seront mes complices. Mon premier complice a rencontré Flavie Flamand il y a 5 ans sur le tournage de l'émission Saga. Mon complice réalisait l'émission et mon invité l'a présentée. En travaillant ensemble, ils sont tout simplement tombés amoureux. Merci d'accueillir le compagnon de Flavie Flamand, Pierre Quatrefages. Une chaussure noire, il lui arrive des tas de mésaventures parce qu'elle est très maladroite. Bonsoir. Alors on se connaît bien avec Pierre et je peux vous dire que d'habitude il est derrière la caméra. Donc là devant la caméra, ça va, détendu ? Hors de ça. Hors de ça. Hors de ça. Bon, deuxième complice connaît Flavie depuis toujours. Enfant, ils étaient très liés et ils le sont restés. Ils rient beaucoup ensemble. Toute petite, mon complice trouvait déjà Flavie très drôle. Merci d'accueillir le petit frère de Flavie, Maxime Le Canu. Maxime a surnommé sa sœur « Petit malheur d'avance » car selon lui, la vie est une vraie Miss Catastrophe. Bonsoir, bienvenue.
Ma troisième complice est très proche de Flavie. Elles se sont rencontrées sur un plateau de télévision. Très vite, Flavie Flamand lui a proposé de devenir sa collaboratrice. Et depuis, elles sont inséparables. Merci d'accueillir Séverine Adamou. Flavie et Séverine n'ont pas de secret l'une pour l'autre. Elles ont les mêmes goûts, les mêmes idoles comme Brad Pitt et Marc Lavoine, figurez-vous. Bonsoir. Alors, je vous pose la même question. Qu'est-ce que vous avez bien pu raconter à Flavie pour qu'elle ne sache pas que vous étiez là ce soir? En fait, ça a été silence radio. D'accord. J'ai fait la sourde. Donc voilà. Moi, elle m'a beaucoup appelé ces derniers temps, j'ai remarqué, mais. Non, mais rien. Pierre, la vérité. Moi, c'était facile, j'ai dit que j'étais en tournage. Ce qui n'est pas faux. C'est vrai? Voilà, j'ai dit que j'étais ailleurs. C'est pas faux. Je vous propose de rejoindre la bulle parce qu'ils vont arriver d'une seconde à l'autre. Merci d'être là, en tout cas. Je vous laisse rejoindre la bulle. À partir de maintenant, mes complices n'ont plus de prénoms. C'est complices numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Pour pas faire de gaffe, d'autres complices vont nous rejoindre par une porte secrète dans la bulle tout au long de l'émission. Je propose à mes complices de disparaître, car mes invités arrivent. Bon, ben, salut. Salut. À tout à l'heure. Voici Flavie qui quitte sa loge, vous le voyez et vous la découvrez comme moi sur ces images. À partir de maintenant, je fais très attention parce qu'elle m'entend. D'accord. Elle est très habituée au plateau je télé. Continue, difficile de lire. Je suis toute seule. Ce qui se passe derrière son sourire. C'est pas drôle déjà. Hein. On est seul. Elle a l'habitude, elle, de mettre à l'aise ses invités. Mais compte tenu du concept de l'émission, je vais pas forcément la mettre tout de suite à l'aise. Je sais qu'elle m'entend. Je vous demande de lui faire un triomphe. Elle va arriver derrière la porte dans un instant. Et je sais qu'elle a le trac. Mesdames, messieurs. C'est là que ça se passe. Flavie Flamand. Je vous laisse vous installer. Comment ça va? Ça va, pas mal. Bonsoir à tous. Non, parce que les téléspectateurs peuvent se dire que là, vous êtes dans votre élément. Un studio de télévision, le public et tout, sauf que c'est pas comme d'habitude. Non, non, là, je vous rassure, pas du tout. C'est-à-dire? Pas du tout. Visiblement, derrière vous, il y a des gens que j'aime, enfin, j'imagine. Donc, c'est très étrange, en fait, d'être invité et de sentir les projecteurs braqués sur soi. On a toujours l'habitude, comme vous, de mettre en valeur les gens ou d'être un relais, quoi. Et là, en l'occurrence, c'est... Ce soir, c'est vous. C'est moi. Ah. Bon, allez, vous ne serez pas seul dans l'aventure. Il y a un garçon qui va vous rejoindre, qui, lui, est habitué à être invité dans les émissions de télévision. C'est ce qu'on appelle le bon client idéal. C'est vrai qu'il est très spontané, qu'il a le sens de la formule. Ah, mais c'est pas du tout. Quand est-ce que vous perdrez cette mauvaise manie de nous faire arriver une heure avant? Vous arrivez là tout de suite, des beautés. Ah, au siècle où tout s'accélère, avec la télé qui se ralentit. On était colocataires, en fait, là. Vous aviez deux loges, l'une au-dessus de l'autre, c'est ça? Oui, on est colocataires. Voilà, avant panique dans l'oreillette, c'est panique dans les coulisses. Un peu. Oui, parce que ça se voit pas, mais évidemment, le caméraman marche en marche arrière. C'est vrai. Voilà, à partir de maintenant, Jacques Séguéla m'entend. Flavie a pu se dire en traversant le couloir de la mort. C'est lui, mais... La même chose que toi, Jacques. Ils m'ont mis Séguéla. Vous pouvez pas mettre Delon ou Julien Clerc. Il va la ramener... avec Mitterrand, avec Kouchner, il va le refaire le coup de la Rolex. Il a pu se démoder. Oh là 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 là. Bon. C'est génial, c'est la première fois que j'entends un invité se demander ce que pense l'autre invité. Déjà. Alors attention, parce qu'il nous entend. J'aimerais que vous lui fassiez un triomphe. Il est derrière cette porte dans un instant. Il va arriver dans l'arène. Ce soir, il est l'invité de Panique dans l'oreillette avec Flavie Flamand. Wow. Mesdames, messieurs, Jacques Séguéla. Charme. Je suis ravie. Je vous laisse installer. Comment ça va, Jacques? Pleine forme. Bon, je compte sur vous. Hein. C'est-à-dire? Comment je peux lutter contre une telle beauté? Ça n'est surtout pas un combat. Vous allez être partenaire. Parce que vous serez exclu de tout ce qui va se passer sur le plateau. Vous connaissez le principe? Alors là-haut, il y a la liste rouge et il y a la liste noire. Et je ne vous conseille pas d'être sur la liste noire. Et tout sera noté. Je ne sais pas si les menaces fonctionnent dans cette émission. Je vous cache pas, il y en a qui ont essayé déjà. C'est pas le ton, en tout cas. C'est pas le ton, mais effectivement, ce sont vos amis, peut-être jusqu'à ce soir.
Peut-être, c'est exactement ce qu'on est en train de se dire en loge. On ne sait pas comment ça va se passer après. Bon, les complices vont apparaître pour les téléspectateurs et pour le public. Le public va mettre un casque, s'il vous plaît. J'adore, ah, ça, c'est le moment. Dans votre tête à ce moment-là. Voilà, ça c'est le moment où tu te dis que t'es définitivement coupé de tout, quoi. Il y a... Alors je vais demander à... Alors ceux-là qui veulent trahir, c'est possible. Hein. Mon complice numéro 1 de faire un petit essai pour voir si ça fonctionne bien dans l'oreillette. Oui, Frédéric, est-ce que tu peux me montrer ta montre, s'il te plaît? Parce que, non, je la vois d'ici, c'est pas la peine. T'as plus beaucoup de temps pour réussir ta vie, je crois. Hein. Attention. À la complice numéro 2, s'il vous plaît, un petit essai. Fred, t'as pris des gros risques ce soir en invitant Jacques. Oui, il va te vendre quelque chose, mais ça c'est sûr, mais il va surtout chercher à te marier. Ah, pourquoi tu me regardes? Non, c'est ça. Je me permettrai pas. Je m'adresse là-haut. Alors, continue. Vous avez bien fait de m'inviter parce que je vais vous raconter 29 ans de secrets de la vie de Flavie ce soir. Je veux savoir ce que vous ressentiez quand vous entendez que tout le monde se parle comme ça dans votre dos. Ça va, c'est agréable. Les vacheries, vaut mieux pas les entendre. C'est la solution idéale. D'habitude, dans les émissions, j'en prends plein la gueule. Bon. Non, mais là, il n'y aura parce pas de moi, j'avais demandé Zemmour et Nolo. J'espère qu'ils sont là. Que de la bienveillance, vous allez voir. Que de la bienveillance ce soir. Allez, complice suivant. Vous connaissez la dernière histoire sur les blondes? Non. Ben, vous allez la découvrir ce soir. Non. Ça, c'était pour toi. J'ai remarqué que quand ça rit très fort, c'est pour toi. Tu n'en sais rien. Mais moi, c'est ça que j'adore, parce qu'il y a des invités qui disent ça, c'est pour moi, la ouais. parano, et d'autres qui disent non, ça, c'est pour toi. Ouais, ouais. Là, on commence à cerner les personnages. Bon, écoutez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va essayer de voir un peu qui vous êtes. Hein, on va essayer d'entrer dans vos parcours. Juste en préparant l'émission, j'ai appris quelque chose, Flavie. C'est que quand vous faites de la télévision, vos collaborateurs, parfois, vous font faire des défis. Oui. Une espèce de gage. Expliquez-nous ce que c'est-à-dire. Oh, alors ça dépend. Parfois j'ai des mots à prononcer, parfois j'ai des jeux de mots à faire. Sans que le téléspectateur s'en aperçoive, absolument, c'est ça ? Absolument. Je me suis d'ailleurs lâchée sur une émission qui avait été tournée en Hollande. Elle avait gagné une vache. De jeux de mots à faire. L'objet vache, non. Mal, hein. Pas l'animal. Hein. Ne laisse pas déstabiliser, continue. Gardez le cap. Et voilà, et j'ai. Enfin voilà, régulièrement, oui, effectivement, mais c'est je crois que c'est assez courant. Alors, ce soir, par exemple, tu dois placer certains mots, non? Non, c'est vous qui allez le faire. D'accord. Je vous explique. Oh, mes collaborateurs ont écrit 5 défis. D'accord. Que les téléspectateurs vont découvrir. Nous, on n'est pas au courant. Moi, je ne suis pas au courant. Le public non plus. Donc, je vous laisse découvrir ça. Ça va s'afficher sur ça l'écran. Commence. Et on va voir si Jacques et le public. Et moi, on arrive à deviner qu'il s'agit d'un défi. Elle va peut-être se mettre à faire des trucs un peu bizarres. On verra si effectivement elle essaie de passer inaperçue comme ça des défis qu'on lui a lancés. Ah, attends, ça fait un petit bout de temps que... Donc il va falloir, c'est 5 défis. Tu peux garder l'affiche avec moi? Bien sûr. Il va falloir les caser dans l'émission, l'air de rien. J'aime beaucoup relever ce genre de défi. Vous êtes prêts? Prêt. C'est parti. Alors, est-ce que ça dit quelque chose à l'un de vous deux? Ça, c'est le bras du passager qui reste quand elle prend l'avion. C'est infernal. C'est infernal. Ça, c'est mon bras, en fait. Alors, attends, un avant-bras ensanglanté. Un bras arraché. Vous pouvez me... Non, j'ai toujours... La vue du sang m'angoisse. Alors, enlevez ça. Non. Est-ce que vous voulez bien me... Non, venez près de moi, Frédéric. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Non, venez, non. Vous voulez bien me... Je sais pas, me soutenir, me... Non, pardon, hein, Jacques, voilà. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? À chaque fois que je vois du sang, j'ai besoin de réconfort et de... Mais on n'est pas en avion, Flavie. J'ai besoin d'une tendresse, je... Embrassez-moi, Frédéric. Non, embrassez-moi comme Rulio. Comme Rulio? Rulio Iglesias. Je sais pas ce qui vous prend, mais là, je sens que c'est un défi. C'est un défi. J'en suis sûr. Wow. Vous allez réussir un défi? Ouais. Je n'ai pas percuté tout de suite. Ça va? Je savais pas, mais oui, ça va. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai honte. Alors, moi, je voulais vous faire raconter quelque chose. Ce bras arraché, est-ce que ça vous dit quelque chose de votre vie? Ah bah non. Bah il paraît qu'il vaut mieux pas prendre l'avion avec vous. Ah, pas à côté en tout cas. Ah oui d'accord, ça y est. Pas à côté de vous. Ah trop fort, ah oui d'accord, il faut aller loin. Hein. Oui, je suis terrorisée en avion et j'arrache en général, enfin presque le bras de mon partenaire. Et il vaut mieux ne pas être assis à côté de moi dans un avion au moment du décollage vous et au moment de l'atterrissage. Entre les deux ça va, vous pouvez lâcher le bras madame. Oui. Elle s'inquiète de la santé des pilotes. Elle regarde, tu sais, quand on rentre, elle regarde le pilote pour voir quelle tête il a. Non, je regarde l'équipage. La tête du pilote. Je regarde. Oui, alors
toujours avant de monter l'avion, je regarde la tête du pilote en fonction de son âge, hein, parce que c'est complètement idiot d'ailleurs, hein, enfin bon. Et je lègue tous mes biens au moment du décollage, enfin, bien sûr, comme si la personne qui était à côté de moi allait survivre d'ailleurs, pour pouvoir à un moment donné gérer la suite. Donc ça c'est vrai, oui. On essaie de connaître un peu des aspects de votre personnalité, on me dit gaffeuse à quel point? Moi? Elle a failli mettre le feu à une voiture en jetant un mégot de cigarette par le troisième étage. Mais il vous manque là. Est-ce que... tête de gaffeuse. Non, il vous manque là. C'est un exemple. C'est des mensonges. C'est un exemple quoi. Tu vas aller éteindre l'essuie-glace qui brûlait. Donc apparemment c'est vrai parce qu'il y a des détails. Et il y avait un chantier à côté avec des bombes d'oxygène, tu vois, ça allait exploser. J'ai couru avec une bouteille pour l'éteindre. C'est pas possible. Il paraît que vous avez failli mettre le feu à une voiture en jetant une cigarette. Oh oui, oui. Ça, la fille qui tout à coup. Et c'était l'essuie-glace qui était en train de commencer à. Bon, à l'époque où je fumais à la terrasse d'un hôtel, j'ai voulu jeter ma clope, tu sais, comme un peu rock'n'roll, genre je balance la cigarette, elle arrive au milieu de la rue et tout. Et j'ai juste jeté la cigarette et je l'ai vue tournoyer comme ça et j'ai entendu la personne qui était à côté de moi qui me dit c'est exactement ce que je craignais. Et c'est régulièrement comme ça, c'est-à-dire qu'il m'arrive régulièrement de prévoir certaines choses mais de tomber systématiquement à côté de la plaque. Elle pense que les objets ne sont pas soumis à la loi de la gravité par exemple. C'est une jolie formule. Et c'est comme c'est ça depuis toujours. Hein. On ne peut pas dire tout ce qu'elle a toujours. Cassé depuis toujours. Autour de vous, les gens ne comptent plus ce que vous avez cassé dans votre vie. Je suis très maladroite, je casse beaucoup de choses. Des rétroviseurs, par exemple, ça vous arrive? Je fonce dans les rétros. C'est ça? Hein? Je vois un jour un jeune homme plutôt mignon, je suis dans la rue et je ne suis pas persuadée du reflet que je vais lui renvoyer, enfin de l'image que je vais lui renvoyer, donc je veux, tout en marchant, en essayant d'avoir une démarche, mais j'avais 15 ans ou 16 ans, enfin je sais pas, et tout en essayant d'avoir une démarche assez séduisante et en me disant il va peut-être se passer quelque chose là sur le trottoir, je veux regarder, je veux juste être persuadée de mon image, donc je veux me regarder dans le rétroviseur et je me prends le rétro en pleine tronche devant ce jeune homme et... Ben, on s'est jamais rencontrés, quoi. C'est ça. Donc, Miss Catastrophe, c'est pas une blague? Non. Bon. A priori, non. Allez, on va tester votre adresse tout de suite. Venez voir. Miss Catastrophe, vous êtes maladroite. La dernière fois qu'elle a lancé un caillou au chien, il se l'est pris sur le museau. Hein. Merci. On a prévenu les caméras qui reculaient. Bon, OK. On nous dit que vous êtes maladroite, je veux voir. Allez-y, à vous. Mesdames, tirez les premiers. Pas si mal. Stylé. Attends, c'est pas... Jaco, c'est pas la pétanque. Hein. Attention, vous en avez une deuxième. M'énerve. Non. Je te jure que c'est... Bon, imaginez qu'il y a du vent. Non, d'accord. Bon, à vous. Bon, je donne un coup de main. Mais très généreux. Mais c'est le généreux. Qui est maudit, attends. Alors, c'est à vous. Mais non. Bon, je redonne un coup de main. Allez. Je suis navré. Bravo. Bon, merci de votre générosité. Et j'ai eu la confirmation. Les applaudis. Laisse ramasser les garçons. Là, vous êtes appliqué. Ah ben, j'aurais adoré pouvoir réussir. Ça m'est jamais arrivé. D'accord. Tiens, je le garde en souvenir. Hein. Bon, on était là, on parlait de vos petits travers pour démarrer l'émission. Évidemment, Jacques pensait qu'il était tranquille. Moi, j'aimerais connaître un peu les petits travers de Jacques Séguéla. Il y a deux sons pour Jacques. C'est d'abord, il le dit toujours avant de commencer une phrase. Vous allez le voir, il va le faire plein de fois ce soir. Et juste après, il va faire, mais c'est formidable. C'est pas vrai. Avec un nom là-bas, c'est formidable. Alors, on nous dit que vous commencez vos phrases par et vous les terminez par, mais c'est formidable. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Il a surtout un problème, c'est que c'est une vraie techno-victime. Donc, il faut toujours qu'il ait le dernier appareil photo ou le dernier portable à la mode. Il ne supporte pas que quelqu'un l'ait avant lui. C'est vraiment, mais c'est terrible. On dit que vous ne supportez pas quand quelqu'un a avant vous la dernière technologie qui vient de sortir. Vous aimez bien tous les gadgets qui sortent et tout ça. Ça m'a passé. Ça, c'était dans ma jeunesse. Non, il n'assume pas. Alors ça, c'est drôle. Non, j'assume, mais j'ai perdu un peu le goût de la collection. D'accord. Voilà. Il collectionne les avis aussi parce qu'il change d'avis énormément, tout le temps. D'ailleurs, c'est vraiment son oxygène, c'est changer d'avis, parce qu'il est toujours de la sincérité du moment. On nous dit que vous êtes très, très convaincant. Quand vous avez un avis, vous êtes vraiment très convaincant. Et convaincu et convaincant. Oui, c'est mon métier. Et même quand vous changez d'avis. Ah. Moi, j'ai quand même connu la fameuse semaine où il est venu dans une émission que je faisais pour parler du livre dans lequel il chantait les louanges de Ségolène Royal.
Et dans la semaine, il est allé à RTL pour expliquer qu'il allait voter Sarkozy. Et le déjeuner du dimanche... Stop. Allez-y, terminez. Et le déjeuner du dimanche avec la maman de Sophie, il y a eu une sorte de... Il faisait une chaleur de brut, mais la maman de Sophie n'avait toujours pas encaissé qu'il ait changé de casaque en plein milieu de la semaine. J'ai toujours peur que ça se lève pas. Non, mais effectivement, c'est super drôle parce que les gens... Et on sait que vous êtes quelqu'un... Voilà, vous êtes un orateur, vous êtes toujours très convaincant. Quand vous avez une idée, vous la défendez. Mais il paraît que vous pouvez changer d'avis, parfois même dans la même phrase, on m'a dit en préparant l'émission. Et il y a des gens qui ont vécu cette semaine très particulière où vous avez défendu dans les médias Ségolène Royal pendant la campagne présidentielle et la semaine d'après, sur une chaîne de radio, Sarkozy. Moi, j'ai ce défaut qui, pour moi, est une qualité. Je ne suis pas toujours de mon avis. Je ne crois pas... Il est trop fort. Je ne crois pas que la vie soit une autoroute où on est à 110, 130, 90, selon qu'on a décidé les radars. Moi, je crois qu'il faut pouvoir quitter l'autoroute et prendre les centres buissonnières, et c'est là que se découvre la vie. C'est le fils spirituel d'Edgar Faure. C'est pas la girouette qui change de sens, c'est le vent. Comme je suis... Comme je suis très entier, je peux, en 30 secondes, m'apercevoir que je me suis trompé et instantanément le reconnaître, et donc changer, et donc agir. Et donc c'est pas à la portée de tout le monde, ça, dans la même phrase, de faire un saut périlleux, de dire le contraire de ce qu'on dit en démarrant la phrase. Non, parce qu'on dit, j'espère effectivement... J'espère que c'est pas Ségolène Royal qui vous avez mis là-haut. Est-ce à dire que Jacques, tu retournes régulièrement ta veste? C'est pour ça que moi, quand j'achète une veste, j'achète d'abord la doublure. Ah. Mais tu veux il pas a le sens de je la sais formule. Que la doublure soit aussi belle que la veste. Bon. Ah. Ça sent le défi. J'ai rien vu venir. J'ai pas compris ma question. Ça veut dire qu'il faut que je change. Ça veut dire qu'il faut que je change de femme? Non, pas du tout. Ah bon, non, c'est quoi alors, retourner la veste? En fait, il est très sincère, hein, Jacques. Hein. Il est très sincère, il est très sentimental, il est très fidèle. Moi, j'ai un souvenir incroyable, par exemple. Il avait une maison dans le sud de la Corse. Et j'ai vu une image où il y avait énormément de bourgeois, des banquiers, enfin des gens qui ont beaucoup d'argent et qui font partie de l'establishment. Et quand Tapie est sorti de prison, il l'a amené sur la plage et on a vu Bernard Tapie arriver en haut de la plage avec un t-shirt noir. Et par rapport à l'ambiance de l'endroit où il était, ça prouvait son attachement formidable à cet homme que tous ceux qui habitaient dans le lotissement détestaient profondément. Et lui n'a jamais hésité à défendre ses amis. J'étais là pour ces vacances-là et d'ailleurs, petite anecdote sur Bernard Tapie à cette occasion, il se baignait dans la piscine et disait « on est quand même mieux qu'au Bomet ici ». Fidélité, alors on entend souvent ça dans le show business, avec un vrai exemple. On parle de Bernard Tapie au moment où tout le monde se détourne et vous non seulement vous vous affichez avec lui, vous parlez de lui dans les médias, mais en plus vous vous affichez avec lui. Oui. Et bien justement, il avait envie de témoigner. Un qui est directement la conséquence de son optimisme et de son envie que la vie soit belle. Et donc, quand il raconte une histoire, ce qui est génial, c'est même si vous y avez été mêlé, 20 ans après, vous entendez une histoire que vous ne connaissiez pas. Ouais. Parce que, d'abord, il la raconte telle qu'elle est, puis après, au fur et à mesure qu'il la raconte, elle devient plus belle, elle devient plus élégante, elle devient plus grandiose, et donc, à la fin, elle ne se ressemble pas. Donc ça, c'est son défaut, c'est pas grand-chose. Sa principale qualité, c'est que je ne connais pas un homme aussi généreux, aussi fidèle. Et pour vous le démontrer, je dirais que quand il a fallu que je passe une des chicanes de ma vie la plus difficile, beaucoup de gens se sont montrés gentils et solidaires, mais en se mouillant pas, c'est-à-dire en me montrant et en me témoignant leur amitié, mais en faisant en sorte que ça ne se sache pas. Lui, il était au cœur du métier des entrepreneurs et des chefs d'entreprise, qui n'était pas à l'époque ma clientèle la plus favorable. Et il s'est payé avec sa poche une page en Match, au détriment bien sûr de la vie de ses clients, pour dire un tas de choses gentilles sur moi au moment où je n'allais pas bien. Donc voilà, c'est ça aussi Jacques Séguéla, et c'est peut-être ce qui le différencie de beaucoup d'autres. Alors, la seule question que j'ai envie de te poser, c'était pour qui pour les prochaines présidentielles? On s'est venu spontanément de là-haut. Pour toi, Bernard, Tapie, président. il a raison, mais c'est mon métier d'affabuler, hein, la publicité. Vous ne répondez pas à la question. Elle est marchande de bonheur. Un jour, on a demandé à Cocteau la définition de la poésie. Il a dit c'est un mensonge
qui dit la vérité. Mais moi, c'est ma façon de raconter des histoires. Alors, il a un truc aussi avec son look, attention, c'est qu'il est très, très, très précautionneux de son look. Par exemple, il supporte pas qu'on lui dise depuis des années qu'il se fait bronzer avec des UV. Ça le rend fou. Demandez-lui, vous allez voir, vous allez voir. Tout le monde pense qu'il prend des UV, c'est faux. On m'a dit, attention, bon, il est très attentif à son look. Par contre, il ne supporte pas qu'on dise, les gens le disent depuis des années, qu'il fait des UV. D'abord, plus le produit vieillit, plus il faut soigner l'emballage. Donc, je soigne à mort. Mais les UV, jamais. Il a un surnom, c'est qu'à l'agence, il ne le sait peut-être pas, mais pendant des années et des années, tout le monde l'appelait tomate farcie. J'ai pris tellement d'heures de soleil quand j'étais jeune que j'en ai pris pour la vie. Bon, c'est une belle formule, sauf que vos collaborateurs les plus proches, ceux qui vous adorent, vous donnent des petits surnoms, vous les connaissez, les surnoms qu'on vous donne? Je connais un Papy Pub. Papy Pub, ouais. Oui. Donc moi, je veux savoir si c'est arrivé jusqu'à vous. Donc je vais demander à Flavie de dire... Oh non, bah tu me demandes de tout faire ce soir. Flavie, tu es pardonnée. De dire pardonné. Un surnom, un dire, par un. Et ceux qui sont en rouge sont les vrais, et ceux-là sont inventés par nous. D'accord. Et vous nous dites si vous pensez que ce sont des surnoms qu'on vous a donnés, que vos collaborateurs nous ont donnés. On nous en a donné là-haut, ils sont sur cette fiche. Alors, vas-y. Ségalo, mégalo. Moi, je me suis baptisé moi-même le ségalomane. Comme ça, j'ai coupé l'herbe sous les pieds. Alors, ségalo, mégalo. Ah oui, oui, bien sûr, mais ça... Et c'est faux. Il n'y a pas moins mégalo que moi. Il a raison. Je pourrais, c'est vrai, c'est complètement vrai. En tout cas, c'est vrai. Il n'est pas du tout mégalo. De ma personne. J'arriverai jamais à le faire croire. Donc, il faut modifier votre image. Attention. Témoigner que je ne suis pas mégalo. C'était vrai. Voilà. Il demande à ses collaboratrices. Attends. Mais si elles sont toujours vos collaboratrices, elles ne vont pas dire la vérité. Mais pas du tout, pas du tout. Au contraire. Allez-y. Robert UV. Je suis désolée. Robert UV. Est-ce que c'était un surnom que vos collaborateurs vous ont donné dans votre carrière? Robert UV. À votre avis? Peut-être, collaborateur. Peut-être. La réponse est peut-être. La réponse est non. Okay. En revanche, tomate farcie, je l'aime bien celui-ci, tomate farcie, ben non. Si. Eh bien, certains de vos collaborateurs vous ont appelé comme ça, vous le saviez pas, vous l'apprenez ce soir. Et pourquoi? Pendant des années, à cause du bronzage. Eh, dis donc, le bronzage quand même, Jacques. Donc ça vous va, mais vous l'avez appris. Je continue? Ouais. Avas et à vapeur. Pas mal. C'est pas mal comme pas formule. Mal. Ah, celle-là, au moins j'espère qu'ils l'ont trouvé. Non, mais si t'es un créatif, il est augmenté demain. Ah oui, ça, Avas et à vapeur. Est-ce qu'on vous a appelé comme ça? Jamais. Non, ça ne sont pas vos collaborateurs, c'est mes collaborateurs à moi. Tu commences demain. Non, c'est pas moi, c'est Arnaud Crampon et Jonathan Kisner qui travaillent avec moi qui ont inventé tout ça. Allez-y. C'est Guélache. Oui, sûrement. Oui? Non. Je continue? Bah oui. Je t'ai dit que je suis nul dans le public. Alors attends, la girouette. Choupette? La girouette. La girouette. Oh, ben ça, c'est les mecs qui voulaient me parler de ma place. C'est autre chose. Je te rassure, ça n'a pas existé. C'est de la basse calomnie. Bon, écoutez, en tout cas, vous avez accepté tous ces surnoms, même quand ce n'était pas des vrais, mais il y en a que vous avez découvert ce soir. Merci, Flavie. On est parti sur les petits travers et tout ça. On va s'intéresser maintenant à votre histoire. Non, à votre histoire. Pour comprendre qui vous êtes aujourd'hui, il faut comprendre qui vous étiez enfant. Vous êtes né et vous avez grandi en Normandie. Oui. Votre papa est ancien footballeur, agent SNCF. Oui. Votre maman travaille à l'aide sociale à l'enfance. Oui. Et votre passion à l'époque, c'est quoi? À cette époque-là? Alors, juste après. Juste après, c'est quoi? Non, j'ai la passion de l'équitation, des chevaux. J'ai été élevée dans un haras que tenait mon grand-père, qui était le haras de mon grand-père, et j'ai vécu des moments incroyables, et j'ai été absolument passionnée par les chevaux. Mon grand-père était éleveur de trotteurs, et voilà. Ouf. C'était une personne magnifique, et qui m'a fait vivre des moments qui m'ont construite, et sur lesquels je me base encore aujourd'hui pour ne pas perdre pied. Voilà, c'était un être fabuleux avec lequel j'ai vécu des moments... inoubliables et qui n'ont pas de prix à mes yeux. Et mon grand-père avait beaucoup de chevaux, notamment Oscar RL, voilà, qui a gagné beaucoup de titres. Pardon, je suis très troublée parce que je... Alors on avait envie de faire un cadeau, parce qu'en 1966, il y a un de ces chevaux qui a couru, qui est arrivé deuxième. Oui, au Prix de Paris. Oui. Oscar RL. Voilà. RL qui sont les initiales de mon grand-père qui s'appelait Roger Luce. Et en 66, vous ne l'aviez pas vu Non, je te remercie. On a retrouvé les images. C'est vrai? Ça va lui faire super plaisir. Et les images d'Oscar, c'est en noir et blanc. Ouais. C'est commenté par Léon Zitrone en personne. Absolument, qu'il appelait le petit lapin. Je propose d'écouter et regarder. À 500 mètres de l'arrivée de cette course qui en comptait 3150, c'est la lutte entre les deux chevaux
Oscar à la corde, mené par l'évêque, en pleine piste, Querido 2 mené par Jean Riault, qui fut le driver de Jamin. Et regardez, tantôt c'est un cheval qui prend l'avantage, tantôt c'est l'autre. On se tâte, les deux adversaires trottent botte à botte. C'est l'une des plus jolies courses qu'il m'ait été donné de voir. Voici le rush final, Oscar à la corde et Querido en pleine piste. Il semble jusqu'au dernier mètre qu'Oscar conserve l'avantage, mais non. Et la photo, vous la montrez tout à l'heure. Querido, bien amené par Jean Riault, bat Oscar Erel. Merci. Je n'ai jamais vu ces images. J'ai été élevée dans le souvenir de ces courses. J'ai des photos chez moi de ces courses-là. Je n'ai jamais vu des images. Et Léon Zitrone adorait Oscar Erel. Il l'appelait le petit lapin car Henri, l'évêque, je pense, qui était le driver, avait un problème de surdité. Et le cheval de lui-même savait quand il devait partir et agiter ses oreilles. Et il l'appelait le petit lapin. Et Zitrone avait une vraie tendresse pour ce cheval. Merci pour ces images parce que je sais que mon grand-père devait être là et en train de... Merci beaucoup. Merci mes collaborateurs qui les ont trouvés. Est-ce que cet objet vous dit quelque chose? C'est un cadre. Quand elle était ado, Flavie, elle planquait derrière ses cadres, un cadre de ce type-là, elle planquait ses mauvaises notes. Et un jour, ma mère a donné les cadres. Donc peut-être que chez vous, vous avez quelqu'un, un cadre avec les mauvaises copies de Flavie derrière. Ouais, c'est un petit cadre. Est-ce que vous pouvez démonter ce cadre, peut-être? Oh non. C'est énorme. J'assume, j'avoue, j'aurais jamais dû le dire. Alors. Le bulletin de notes est original. Alors. Oh, j'espère qu'il n'y aura pas les. Attends. C'est dingue. Alors, bon, là, ce sont mes bulletins. Il y a un petit mot, peut-être. Vous pouvez lire le petit mot, on va comprendre. Alors, non, mais pour expliquer. Maman. Tu avais aussi planqué celui-là. Après toutes ces années, tu as bien mérité de le récupérer. Bisous, papa et maman. Voilà. Alors, c'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire, c'est que j'étais extrêmement surveillée dans ma scolarité par des parents qui étaient extrêmement stricts, ma maman notamment sur l'orthographe. Pas poussée non plus. Plutôt bonne en français. Il y a des commentaires, c'est vrai. Ou elle était peut-être très stricte sur tout, je ne sais pas. En tout cas, j'ai été élevée dans une certaine rigueur, et d'ailleurs, je leur reconnais ça et je les remercie pour ça. Et je planquais mes mauvaises notes et mes mauvais bulletins derrière un cadre dans la chambre. Et mais sauf que ça grossissait, et je voyais régulièrement, tu sais, je rentrais, et puis le cadre était vraiment posé de profil, et je voyais le truc, et je me disais, il y a un jour, c'était tellement épais, tu sais, je me disais, il y a un jour, ils vont se demander ce qui se passe. Mais je pense que j'ai fini par leur avouer ou un oui, truc comme ça. Oui, mais quelle est l'idée? Parce que vous auriez pu les jeter au lieu de les garder derrière un cadre. Non, tu sais, on a besoin de c'est un petit peu idiot. Un peu transgressif comme ça. Oui, il y a un petit côté comme ça, genre je planque et quand tu rentres dans ma chambre, tu t'en rends une fois que les cadres avaient été donnés, donc on n'a jamais su les vraies notes, en fait. Attends, terminal A2. Ne triche pas. Jacques, vous voir vos notes. Non, mais là, tu peux y aller. Ah, c'est très fort, ça. Bonne participation, il faut travailler davantage. Le professeur Jacques Séguéla. En français, j'étais bonne en français élève et en langue. Turbulente en classe. C'est faux, c'est un mensonge. Assez bien. Ne réussira pas dans la vie. Ne rend jamais de Rolex. Cas désespéré. En baisse ce trimestre. Ah, pour de vrai. Le plan, en baisse ce trimestre. J'étais en maths. Avec des copines, elles faisaient du spiritisme pour savoir si elles allaient se marier, si elles allaient avoir des enfants. C'est vrai que vous avez fait beaucoup de spiritisme pendant l'adolescence. Ah oui. Non, pas beaucoup. J'ai dû en faire une ou deux fois comme ça, comme tous les mômes, tu sais. On dormait essayent. Dans une tente et on jusque faisait jour, le mur. J'ai pris peur. Mais on s'était fait griller par les parents. On devait se déshabiller avant d'aller dans la tente. On devait se mettre en tenue de nuit. Donc on était coincés. Une fois, on s'est trouvé coincés. Et donc après, les jours d'après, on planquait des fringues dans la tente dans la journée pour pouvoir sortir, rejoindre les copains. Non mais c'est... Parce que c'est intéressant de voir, parce qu'il faut être vif quand on fait ce métier, mais là, pour le coup, ça, dès l'adolescence, par exemple, à l'adolescence, il y en a qui font le mur. Vous, ouais. Faisiez le mur alors que vous dormiez dans une tente. Oui, j'étais avec une copine, Estelle, on dormait sous la tente. Et on emmenait sous l'oreiller dans la journée nos fringues. Elle a pris la veste de ma mère et elle s'est retrouvée avec les cigarettes de maman dans la poche. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez pris la veste de maman? Du coup, elles ont fumé les cigarettes. Ah oui, j'ai pris la veste de maman. Oui, oui. Il y avait des cigarettes. Tout à fait. On avait été malades toute la journée le lendemain parce qu'on avait fumé des gitanes sans filtre toute la nuit.
14 ans. Non, mais parce qu'on s'imagine 14 ans, donc elle prend une veste de sa mère, elle voit des cigarettes à 14 ans, ça, c'est elle pas essaye. Cool, hein. Sauf que ce sont des items sans fil, donc elles sont malades toute la journée. Absolument. Et à 14 ans, elle avait été élue Miss Hockey et on se ressassait ses souvenirs de la soirée sans arrêt. On passait des journées à regarder un album photo de souvenirs qu'elle avait fait. Donc on dit 14 ans, donc on a vu le genre d'adolescente facétieuse. Et vous vous êtes élue à 14 ans, Miss Hockey. Je suis une vieille Miss. D'accord. Et d'ailleurs, quand tu regardes ces photos, c'était la première émission télévisée de Jean-Luc Delarue. Qu'on voit sur la gauche. Et avec Florent, qui était derrière, Florent Pagny. Mais... C'est vous qui vous êtes, inscrite ? Non, c'était des copines qui m'avaient inscrite avec la complicité de maman, je crois. Et je me suis retrouvée embringuée dans cette aventure qui est devenue une aventure absolument géniale, quoi. C'était très... moi, j'étais dans mon petit village en Normandie et tout à coup, je découvrais la télévision. J'aurais jamais d'ailleurs imaginé qu'un jour, ça puisse continuer, quoi. J'avais mobilisé tout mon collège pour pouvoir voter pour Flavie, pour qu'elle puisse gagner. Non, parce qu'il y a des gens proches de vous qui avaient mobilisé tout le collège pour que vous soyez élue. Tu vois, c'était les débuts de... Des votes et, des tout ça, taper un, taper deux. Vous nous dites ce que vous voulez, ils nous disent ce qu'ils veulent, mais nous, on a la vraie version de votre vie, en fait. Ça va se passer sous vos yeux. De Paris à Hollywood, toute l'actualité des stars dans Exclusif ce soir. Sur le plateau d'Exclusif. Une émission très spéciale aujourd'hui consacrée intégralement à Flavie Flamand. Oh, c'est super. Vous le saviez peut-être pas, mais Flavie Flamand n'est pas seulement une animatrice de télévision talentueuse et sublime. En se penchant sur son enfance, gardée classée secret défense, on a retrouvé des dossiers inattendus. Si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est en partie grâce à Flavie. Des images inédites pour un sujet exclusif. Regardez. C'est énorme. Flavie Flamand a 6 mois, son joli minois fait déjà des ravages. Elle inspire un grand fabricant de jouets. Le Kiki de tous les Kikis est né. 2 ans plus tard, elle envoie à FR3 son premier concept d'émission, 30 millions de toutous. Malheureusement, elle n'aura aucune réponse. C'est également à peu près au même âge qu'elle apprendra un petit camarade du nom de Thierry à marquer des buts de façon peu orthodoxe, mais avouée redoutablement efficace. Aujourd'hui encore, on peut dire merci qui ? Merci Flavie. À 4 ans, pour appeler ses copines, elle invente le téléphone sans fil et sans téléphone. À 6 ans, elle fait son premier défilé pour Jean-Paul Gaultier. À 8 ans, elle se fait piquer le rôle de Terminator par Schwarzenegger. C'était moins 2. Bien avant Dolly, Flavie réussit son premier clonage de camarade à la coupe au bol. Et puis, peu de gens le savent, mais c'est encore elle qui a tout appris à Barack Obama. Le temps passe, il lui arrive de s'ennuyer un peu. Heureusement vient le temps des premières amours. Harry, Arnaud et Guillaume, Pierre, Paul, Jacques et son fidèle Tornado. Il faut dire que Flavie est vraiment très belle, trop belle, mais sa vie sentimentale reste un vrai chantier. Seuls ses vrais amis la comprennent. C'est d'ailleurs ses copines qui l'inscrivent au concours de Miss Hockey Magazine, qu'elle remportera d'ailleurs haut la main. Au passage, elle lance la carrière d'un jeune animateur qui, sans elle, ne le serait jamais devenu, Jean-Luc Delarue. Lors de ce concours, elle rencontre aussi l'homme de sa vie, Nick Kamen. Leur histoire est aussi brève que sa carrière de chanteur. De lui, elle ne gardera qu'un seul souvenir, mais c'est un vieux chewing-gum mâchouillé. Je vous laisse vous installer à côté d'elle, dire bonjour à Jacques. On était ensemble il y a 2 jours. Merci pour ce film parce que c'est très amusant et merci de... Mais ça me fait plaisir, je suis très ému souvent, moi. Il me manque souvent. Les téléspectateurs vous ont connu ensemble à la télévision lorsque vous présentiez Exclusif. On était sur TF1 pendant tous les un jours. An, ouais, pendant Exclusif. Ouais, et, bon. Et il me manque parce que c'était d'une telle légèreté. C'était un peu l'adolescence de la télé. C'est vrai, on était jeunes, on se marrait tout le temps. On était en direct, mais on avait des fous rires. On réalisait pas tout ça. Il était là toujours en train d'essayer de m'avoir. Il y avait un secret entre vous et Nick Kamen et je crois que vous avez la réponse. Je l'ai porté. Oh, t'as mis. On me l'a confié. Ah, je le savais. C'est pas une demande en mariage. T'as pas fait ça. Est-ce que c'est le vrai? Suivez-moi, elle l'avait gardé dans une pochette en plastique. Est-ce que ça ne bougeait pas pour qu'on puisse faire un gros bébé? C'est un chewing-gum mâchouillé, c'est quoi cette histoire? Oh, écoute, non, mais il faut me pardonner, j'avais 13 ans. Nick Kamen, qui à l'époque faisait des pubs, il était beau comme toi, il faisait des pubs et tout pour des caleçons devant des machines à laver. Et Nick Kamen, ce qui n'est pas ton cas, il serait temps que tu t'y mettes d'ailleurs. Et Nick Kamen m'avait donné son chewing-gum, truc complètement con.
Et donc j'avais gardé le chewing-gum, je l'avais collé comme ça dans un classeur. C'est totalement idiot, mais ça me touche beaucoup maintenant de parce que ça doit faire mal. T'en gardes beaucoup? Non, j'ai une collection de chewing-gum. Je te montrerai un jour, ouais. Mais je les garde précieusement. D'ailleurs, j'en ai un de toi. On les collait sous la table. Hein, on les collait à une minute du direct. Ouais. C'est sympa. Bon, en tout cas, voilà, on a voulu avoir une autre version et Frédéric Joly a joué le jeu. Voilà. L'exclusif. On était ensemble il y a deux jours. Vous pourrez le retrouver sur Énergie 12 dans de nouveaux épisodes de Mes parents vont t'adorer. Merci Fred. À bientôt. Alors Jacques, votre parcours, vous naissez à Paris, vous grandissez à Perpignan? Il y a 3 ans, j'arrive à Perpignan, mes parents sont installés comme radiologues. Et donc, je vais devenir catalan à part entière. D'accord. Il était extrêmement rebelle quand il était jeune. Et qu'un jour, il a fabriqué, je ne sais pas comment, un embouteillage monstrueux à Perpignan. Oui, c'est-à-dire qu'on a trouvé un petit chantier. Donc, dans le centre de Perpignan, il y avait un panneau de sens interdit qui était accroché avec des fils de fer. Et puis, pour le cinéma, il était minuit. On s'est dit, on se baladait. Tiens, on va inverser les panneaux. Donc, on a pris le panneau de sens interdit. Avec les fils de fer, on a fait la courte échelle. On l'a accroché sur un sens unique. Et puis après, on a fait de l'autre côté de la même chose. Et le lendemain matin, on a totalement bloqué le centre de Perpignan. Et ça a fait la une de l'Indépendant, le journal local, parce que la ville a été paralysée pendant 3 heures. Déjà le sens de l'événementiel. On me dit, adolescent rebelle, à 15 ans, vous provoquez un embouteillage monstre à Perpignan. Ah oui. En faisant quoi? Avec mes deux copains de toujours, on décide de déplacer les voitures. À l'époque, les voitures n'étaient pas fermées. On était encore dans des temps heureux. Donc, on déplaçait les voitures à la main et on les changeait de rue. On avait déplacé toute la rue. D'où un embouteillage monstre, d'où... Parce que moi, l'anecdote qu'on m'avait racontée, c'est que vous aviez inversé les panneaux sens interdit et sens unique. C'est vrai aussi. Ça, c'était plus facile. C'est génial. Non, mais c'est énorme ce qui vient de se passer. Il se rappelait pas de l'anecdote. Il vient d'en inventer une. Mais non. Je suis sûr que c'est vrai l'histoire des panneaux. Non, pas du tout. Il a passé trois ans en pension chez les jésuites parce qu'il était très mauvais élève. Et il a donné un coup de fourchette dans les fesses de son surveillant, ce qui a évidemment provoqué un drame. Mais il n'est pas agressif quand même. Parce que le public fait... Donc vous avez donné un coup de fourchette dans les fesses d'un surveillant. Oui, j'étais très rebelle. Ça m'a brisé la pension parce que finalement j'étais un gosse très affectif. Et il y avait un petit pion nasillon, le crâne rasé, qui m'avait pris en grippe. Et un soir, il se faisait comme ça, griller des yeux, des 2 œufs sur le plat, en narguant. Et puis il s'est retourné, la fourchette était sur la table. Écoutez, j'étais à genoux comme ça, mon sang a fait qu'un truc, j'ai pris la fourchette et tac dans les fesses. Ça rentre comme dans du beurre. C'est un bruit. Il a poussé un cri inhumain. Ça a, par bonheur, réveillé le dortoir parce qu'il allait me tuer. J'ai été protégé par tous mes copains du parloir et j'ai été viré le lendemain matin et j'ai découvert la liberté. Quel beau coup de fourchette. Ça, il raconte n'importe quoi. En fait, c'était un cancre total, il ne faisait rien. Et l'année du bac, il a séché les cours pendant 6 mois. Avant le bac, vous séchez pendant 6 mois, les cours. Oui, ça c'est l'horreur, voilà. J'ai découvert la liberté et donc, au bout d'une semaine, je suis pas retourné en classe. Mais le drame, c'est qu'après, il fallait bien que je vive, donc j'étais en cavale, parce que j'étais obligé de me lever à 7h du matin, de faire semblant de partir à l'école, de me planquer dans les bistrots. Je tapais le carton avec des champions de belote, et le soir, j'allais au cinéma. Il a tellement fait chapeau qu'il a été obligé d'écrire une lettre au proviseur, signée par son père, disant qu'il avait la tuberculose, parce qu'il avait peur d'être convoqué. Déjà la pub. Quoi Vous avez quand même écrit au proviseur un jour, en signant comme si c'était votre père, pour lui annoncer que vous étiez au sanatorium. Exactement, il fallait bien une excuse. Puis est arrivé le moment du bulletin. Je me suis débrouillé pour imprimer des faux bulletins. Et ces faux bulletins, évidemment, il les remplissait lui-même pour que son père ait l'impression qu'il était toujours dans les 3 premiers. Et donc, ça passait très, très bien avec son père, qui était ravi d'avoir si bon élève. Et j'ai fait le commerce des faux bulletins, qui était tout un art. C'est-à-dire ? Il fallait avoir des écritures de 40 ans, pas des écritures de 15 ans ou de 16 ans.
il fallait que ce soit les mêmes tout au long de l'année. Donc tous mes copains avec qui je tapais le carton, qui avaient 40, 50 ans, qui étaient retraités, me servaient le professeur. Il y en avait un qui était le professeur d'histoire, l'autre le professeur de littérature, parce qu'il fallait que, comme les parents, comparent les bulletins. Il fallait des écritures différentes. Les mêmes écritures. Bon, et puis, il fallait inventer aussi les critiques des professeurs, les notations des professeurs. Et j'étais premier, second, troisième. Bon. Vous étiez toujours. Et j'avais trois ou quatre copains qui sont rentrés dans la combine, à qui je vendais les bulletins pour pouvoir vivre. Parce qu'il faut vivre quand on est en cavale pendant 6 mois. Il faut moi déjà payer son café crème. Il faut dire que Jacques Coty était un séducteur. Donc, il a, pendant ces 6 mois de cavale, si je peux dire, il organisait des booms dans le bureau de son père. On organisait ensemble. Et on a fait 200 booms ensemble pendant l'année du bac. Ce qui explique le résultat. Vous faisiez des booms dans le cabinet de votre père? Oui. Ah, il se prêtait à ça. On m'a dit au moins 200 booms. Il se prêtait à ça. Oui, ça, on était boum, boum, boum. Bon. Alors, ce qui est assez particulier, c'est que vous avez raté votre bac plusieurs fois. Et oui. Pourtant, vous avez fait des études après. Moi, j'ai mis 4 ans à passer mes bacs. En fait, il était très paresseux et il voulait absolument faire pharmacie par paresse. En disant, au moins, c'est le seul métier où on peut faire travailler les autres. Là, vous avez fait pharmacie? Oui, oh, mais ça a été terrible parce que mon grand-père, qui avait eu ses 2 bacs avec mention très bien, qui était directeur des contributions directes, qui était le président de la Caisse d'épargne, qui était la sommité montpelliéraine, un jour m'a pris dans sa 202 Peugeot B légère et m'a amené dans un petit village qui s'appelle Mogion. On s'est arrêté devant une boulangerie. On est entré dans la boulangerie, je vois ce qu'il cherchait. Il m'a dit, tu vois cette boulangerie, je l'ai achetée hier. Si tu es collé une dernière fois à tes bacs, c'est là que tu auras lundi matin. Ça m'a scotché, ça m'a électrochoc, j'ai été reçu de justesse. Et à partir de là, je suis rentré en pharmacie, je me suis appliqué à devenir le meilleur élève de la classe. Pendant 12 mois, je n'ai pas pris de vacances. 10 heures, 12 heures par jour, j'ai bûché la pharmacie comme un malade, j'ai été major. Et je me suis rendu compte que de cancre à major, il y a juste un peu de boulot. Un peu de boulot à donner. Je me suis tout. Et depuis, je n'ai pas arrêté de travailler. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Eh bien, enfin, ce que tu dis, il y a le président qui est juste en haut. Je ne rigole pas, Jacques. Hein. Quel président? Quel président? Ben oui, le président. Regarde ce qu'il parle. Oui, parle. Nicolas, comme c'est gentil, Nicolas, d'être venu me voir. Bienvenue. Ce qui est extraordinaire, c'est que son père n'a jamais su toutes ces choses-là, ni ses faux bulletins, ni rien, rien, rien. Il l'a découvert dans ses bouquins, pratiquement. On me confirme que votre père a appris tout ça dans vos biographies, tout ce que vous racontez. Oui. Alors, Guillaume nous racontait tout à l'heure un peu, comme ça, il était dans la partie un peu travers et tout ça. Il a l'air de bien vous connaître. Vous me connaissez bien? Bah oui, votre témoin de mariage. Amique. Exact. Parce que le public... Oui. Je suppose que tout le monde se connaît dans ce métier, mais là, pour le coup, c'est pour de vrai. Absolument. Ça fait des années, j'étais à Europe 1, il est passé au milieu de la rédaction. Et... Il avait 25 ans, et je l'ai entendu dicter à 7h du matin le papier du journal, je suis tombé en arrêt. J'ai dit, ce mec va devenir un des grands journalistes français. C'était clair, c'était net, tchac, 25 ans, nom de nom, quel talent. Il y a longtemps. Et il n'a pas perdu. nom de nom, c'est aussi une expression. Nom de nom, c'est une expression. On essaye de passer nos vacances ensemble, ouais. et nos familles s'aiment. C'est un fou de la mer, Jacques. C'est un fou de la mer, sa grande passion, en fait, c'est les bateaux. Et alors, de temps en temps en Corse, qu'il adorait la Corse quand je l'ai beaucoup connu au début, il allait en Corse et il partait sur des mers démontées. Tout le monde avait une trouille bleue dans le bateau, les enfants valsaient le pique-nique, et lui, il allait en Sardaigne à fond la caisse. Qu'il fasse mauvais, beau, etc. Et arrivé en Sardaigne, on se baignait un peu, petite oursinade, et il repartait à fond la caisse, et là, il y avait une houle colossale, et les gens pétaient de trouille. Et il a toujours adoré ça. Et rien n'a changé, il continue jusqu'à rien n'a changé. C'est toujours pareil. Paul Valéry, le poète de mon pays, le poète c'est toi, a dit, il y a 3 sortes d'hommes, les vivants, les morts, et ceux qui vont sur la mer. Mais moi, je suis de ceux qui vont sur la mer. Et plus la mer est en tempête, et plus je suis heureux. Qu'est-ce que vous savez de lui qu'on ne connaît pas? Généreux, Bernard Tapie l'a dit tout à l'heure, il est sans équivalent. C'est vous qui l'avez dit en premier, d'ailleurs. Oui, il est sans équivalent quand on est dans la merde. Sans équivalent. C'est le premier qui téléphone, le premier qui vous aide vraiment. Qui est dans la merde, ici? C'est ça. Pour tout. Hein. Alors, 06, 85, 22. Pas la moindre hésitation. Tout de suite, c'est le hasard, ça sonne dans la pièce, etc. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est quand même assez pudique, parce que ces derniers temps, il a fait 2 ou 3 conneries, quand même, notamment cette affaire de montre. Et il n'a jamais... D'avoir dit cette bêtise, ça l'a quand même beaucoup
perturbé, mais il n'a jamais affiché vraiment ça. Et quand on le connaît bien, on voit bien qu'il est ultra sensible. Même si on le voit tout le temps à la télé, même si on le voit dire... Le sourire, la formule. Ouais. Non, mais, d'accord. Bah, écoutez, moi, je remercie Guillaume Durand d'être venu, parce que ça vous fait plaisir. Merci. Passez par la grande porte. Et tous les matins, de 8 à 10 sur Radio Classique. Merci, merci d'être venu. Guillaume Durand. Bonsoir tout le monde. Alors, on essaie de continuer le parcours hein, de Flavie. Donc on vous a vu devenir Miss Hockey à 14 ans par hasard. À 16 ans, vous devenez mannequin par hasard. Comment on devient mannequin par hasard? Oh là là, alors attends, bah, je crois qu'en fait tout était lié. J'ai eu l'occasion en faisant de coucher avec un photographe. C'était une vanne, mais ce sont pas vos amis, donc c'était une vanne pour le plaisir. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des annonceurs et puis de faire des pubs, notamment pour des cosmétiques, avec les avant-après. Donc à ce moment-là, c'est pas votre but dans la vie d'être mannequin, c'est quoi votre envie à ce moment-là? Ah, mon envie, c'est juste d'arrondir mes fins de mois de jeune lycéenne, puis d'étudiante, quoi. Et comme l'occasion se présente, je le fais, mais ça n'a absolument aucun intérêt pour moi. Je n'imagine rien d'autre. Elle a toujours été fascinée par la littérature. Elle était très très bonne en philosophie. Voilà, elle avait une vraie passion pour les livres et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est partie à l'université. À ce moment-là, vous êtes bonne en philo, oui. Bonne en littérature. En français surtout, oui. Vous allez en fac, en langues étrangères appliquées. Oui, à Caen. Et puis, elle appelait sa maman tous les jours. Est-ce que c'est vrai que vous appeliez votre maman tous les jours à l'époque? Oui, c'est vrai, à l'époque. Quand elle va regarder l'émission, elle va dire « À l'époque, tu m'appelais tous les jours. » Oui, c'est vrai, j'appelais maman tous les jours. Et oui, j'étais assez timide, enfin en tout cas, j'étais assez solitaire. Mais du mal à couper le cordon un peu, à ce moment-là? Oui, du mal à couper le cordon, et puis du mal à prendre le large, et puis en même temps, je le prenais. Enfin, c'était un petit peu une période assez, assez compliquée. Et puis en même temps, tout à coup, la découverte d'une vie loin du foyer, loin de tout. Il n'y avait même pas 100 kilomètres. Je me souviens avoir passé des moments absolument géniaux dans une maison. Ouais. Avec ma copine Gaëtane. Et elle avait la frousse, elle avait très très peur, donc il fallait que je l'attende quand elle appelait sa petite amie de l'époque. Et elle avait très peur, donc il fallait que je l'attende. On essaie de vous imaginer timide, un peu froussarde, comme on dit. C'est-à-dire qu'il fallait la cabine téléphonique le soir. Il fallait m'accompagner. Ah oui, oui. Donc vous étiez au téléphone tranquille et quelqu'un vous attendait dehors. Absolument. Oh là là, oui, c'est vrai. Ah oui, j'avais oublié ça. Oui, il fallait m'accompagner. J'avais peur de partir toute seule et de quitter la maison dans laquelle on avait un appartement. C'était une nouvelle vie à Caen, on a appris plein de choses. Elle a notamment appris à faire le ménage et à brûler des rideaux. Elle a tout oublié du ménage. Mais pas du reste. Non, parce que... Vous apprenez à faire le ménage à l'époque? Non. Oui, j'apprends, mais... En mettant le feu au rideau? J'ai mis le feu au rideau avec la lampe halogène. Les voitures, les rideaux, les appartements. Non, ça permet d'avoir un portrait. Mais je suis dangereuse en fait. Hein. Oui, bon. J'ai failli mettre le feu, mais pas seulement à l'appartement, à toute la maison dans laquelle vivaient beaucoup d'étudiants, tout à fait avec la lampe halogène. Tout à fait. Pour une fille qui ne voulait pas couper le cordon, vous vous mariez à 19 ans. Oui, je créais un autre... et je me marie. Un autre fil à la patte. C'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, paradoxe parmi les paradoxes, vous ratez votre bac plein de fois, mais enfin vous finissez quand même major de promotion dans ces études de pharmacie. Oui. Mais ce qui vous motivait pour être reçu major, c'était quoi? C'était pour faire le tour du monde? Absolument, parce que mon père était un des premiers pilotes privés d'avion. Il avait des vieux stamps, il avait fait le rallye du Tour d'Afrique en petit avion. Il était revenu avec sa blouse saharienne, il sentait bon le sable chaud, la télévision n'existait pas, mais la presse était là et ça m'avait tellement... Et je voulais tuer mon père, comme tous les gosses. Donc je me suis dit, la seule façon d'aller plus loin, c'est de faire le tour du monde. En avion, c'est pas possible, donc je vais le faire en voiture et je vais le faire en deux chevaux. Et j'ai obtenu de mes maîtres en pharmacie de partir faire ma thèse sur l'étude des marchés des plantes médicinales à travers le monde. Super, j'ai pas vu une plante médicinale, mais j'ai poussé ma voiture pendant 2 ans avec Jean-Claude Baudot, mon frère d'armes, mon frère d'aventure, mon frère de cœur. Et c'est les 2 années les plus exceptionnelles de ma vie. C'est elles qui ont changé ma vie. Parce que quand je suis revenu, mon père était en train de m'acheter une partie de la pharmacie du docteur Bobo à Perpignan. Elle existe. Et j'étais fiancé avec la fille du marchand de chaussures qui s'appelait Grohl.
qui n'est autre que Dany Grohl, la chanteuse Dany. Donc ma vie était tracée là. Il avait aussi le goût des voyages par son père qui l'emmenait pêcher une fois par an au bout du monde, en solitaire, tous les deux, comme ça, sans se parler, ils pêchaient. Donc déjà, il y avait quelque chose un peu d'atavique, parce que votre père vous emmenait pêcher régulièrement. Il avait un côté aventurier qui vous a transmis. Mon père m'a fait le plus beau cadeau que puisse faire un père. Dès l'âge de 7 ans, chaque année, il m'a amené pêcher dans un pays du monde différent. Donc j'ai fait une soixantaine de pays avec lui, dans les coins les plus reculés du monde, à la fond du Chili, au Cap Nord, au Pôle Nord. Un virus que vous essayez de transmettre à votre fils, parce que là, il y a trois générations sur la photo. Voilà. Et quand mon fils, Tristan, a eu 7 ans, il a fait partie du voyage. Oui, ce tour du monde a été un grand tournant dans sa vie, parce qu'on n'avait pas l'argent, donc on avait trouvé des sponsors quand même. Et on voyageait d'ailleurs dans les bateaux en troisième classe, parce qu'il fallait bien mettre la deux chevaux dans les bateaux. Donc on vous imagine, vous avez 25 ans, on est dans les années 60, vous avez votre pote dont vous avez parlé tout à l'heure, j'ai oublié le nom. Et donc vous dormez à la Belle Étoile, oui. Presque 400 nuits, ça dure 18 mois hein, ce tour du monde. Oui. Et vous voyagez dans des paquebots ? Oui. Pas en première classe ? Ben non, ben évidemment, en quatrième classe, il y avait une cinquième classe. C'était le réveillon du Nouvel An, il y avait des réveillons en première et deuxième classe, mais en troisième classe, il n'y avait rien. Donc on a décidé d'organiser un réveillon. Parce que moi, on me dit... En préparant l'émission, il y avait un réveillon, mais pour les premières classes. Nous, en troisième classe, il n'y avait pas de réveillon organisé. On a organisé le réveillon. C'est vrai. Vous rappelez ça ? Là-dessus, on a décidé avec tous les gens qui étaient en troisième classe, il y avait beaucoup de nationalités différentes. On leur a dit, chacun de nous, nationalité, va faire un numéro, on va faire un spectacle. On avait 5 jours pour se préparer. Et Jacques a fait un numéro de magie. Vous êtes le 31 décembre, le soir du réveillon, sur ce paquebot, en troisième classe. Oui. C'est de vous imaginer. Et vous dites... On va faire le réveillon. Ils n'ont rien organisé pour nous. Tout le monde va faire un numéro. De précipitation. Mais oui. Absolument. Absolument. Parce que Jean-Claude arrivait à se tenir entre deux chaises, la nuque sur un dossier de chaise et les talons sur l'autre, sur l'autre côté. Et moi, je m'assieds dessus. Et tout s'est effondré. D'accord. C'est vrai ? Oui. Mais moi, j'aimerais voir ce numéro. On va faire un tour de magie. Oh ! On applaudit ! Il est là, le vrai. Merci beaucoup d'être là. Merci. Alors, attendez, asseyez-vous, il va nous dire qui vous êtes, parce que vous le connaissez depuis longtemps. Nous allons fêter cette année nos 70 ans d'amitié. Ça s'applaudit, hein. 70 ans. Avec combien de disputes en 70 ans ? Une cicatrice ici. Et ça a été la seule dispute. D'accord. Un coup de couteau. Ah, quand même. Avant de raconter votre relation qui est extraordinaire, j'aimerais demander au public s'il a envie de voir ce tour de magie qu'ils ont fait sur un paquebot en 1960. Le tour de magie, on les a acquis très très fort. Il s'inquiète, Jacques s'inquiète. Et rassurez-vous, il a répété. Ça, c'est pour vous. Oh là là. Plus tard, le tour de magie sur le paquebot. Bon, on est le 31 décembre. Je suis le grand fakir Nestor Segela. Et je vais te faire faire le plus beau voyage que tu n'aies jamais fait. Mais d'abord, je vais t'endormir. Je vais t'endormir. Je vais t'endormir. Tu dors. Voilà. Non, pas suffisamment. Voilà, tout est doux. Tu es dans du coton. Tu vas tomber. Tu restes raide. Tu dors. Tu dors. Tu dors. Tu sais que rien ne peut t'arriver. Bravo ! Aidez-le ! On l'applaudit très très fort ! C'était il y a plus de 50 ans ! Ça n'avait pas marché sur le bateau. Oui, ça avait marché. Ah, ça avait marché sur le bateau. Allez vous installer. Segela n'a pas fait 5 ans de pharmacie, il a fait 5 ans de magie. Et ce qui est génial, c'est que vous vous souveniez pas du tour. Pas du tout. Après, j'étais assis sur moi et je me suis écroulé. C'est bien ce que je disais. Sur moi en plus, donc c'était beaucoup. C'est ça, vous avez fait des... Alors là, c'était vous à l'époque, donc deux jeunes premiers. Absolument. Oh, c'est notre première pub. C'est une pub pour des...
pour des pull-overs Laplo, non, pour les sacs de couchage. Pour les sacs de couchage Laplo. Ah oui, regarde Laplo. Ma première et dernière pub, je veux dire. Parce que vous étiez mannequin. Vous aviez dormi dans ces sacs de couchage. Pendant 400 nuits. Oui, on faisait la pub pour les pull-overs parce qu'ils faisaient la même maison faisait des pull-overs. Je dis n'importe quoi, parce qu'il n'y avait pas que Laplo qui faisait les sacs de couchage en plume d'oie. Et les pull-overs sont là pour les quoi? Les pull-overs, c'était Harcourt qui nous avait habillés. Mais heureusement qu'il était là. Vous comprenez à quoi sert cette émission? Je fais ça contre vérité. Mais oui, exactement. D'ailleurs, il dit de vous, vous dites de lui qu'il est votre contraire. C'est vrai. C'est-à-dire? Eh bien, il est tout ce que je ne suis pas et que j'aimerais être. C'est-à-dire? Alors, d'abord, il est détaché des valeurs matérielles. C'est un immatériel. Ensuite, il a travaillé un mois dans sa vie chez Publicis, mon grand concurrent. Et au bout d'un mois, il écrit une longue lettre à Marcel Blanchet-Blanchet pour lui dire « Votre boîte est nulle, vos collaborateurs s'empiffrent, il n'y a que les notes de frais qui comptent, ils arrivent à 10h du matin, ils partent à 4h de l'après-midi, je ne resterai pas dans ce foutoir. » Blanchet l'a convoqué, il lui a dit « J'ai bien compris, je vais te nommer chef de service et doubler ton salaire. » Il a dit « Non, vous n'avez pas compris, je ne travaillerai plus jamais dans cette escroquerie. » Et il a décidé de devenir collectionneur. Et je me souviens que je lui avais rapporté, pour fêter sa collection, une machine à sous que j'avais achetée dans le centre de la France. Je remontais de Perpignan vers Paris. Et il est devenu, en une dizaine d'années, le premier collectionneur de machines à sous du monde. Et aujourd'hui, les machines à sous sont à Las Vegas. Et puis après, il a collectionné des cartes postales. C'est pas vrai, ils sont en Allemagne. Ah, pardon. À Las Vegas sur Rhin, pardon. Las Vegas, c'est pas très très bon. Heureusement que Bernard Tapie nous a dit « Oh, il enjolive les histoires. » Voilà, il enjolive. Vous avez réussi à vivre des collections? Oui, parce que je fais des musées avec. D'accord. Donc, anticonformiste, collectionneur, il a suivi que son instinct. Voilà. Et il n'a pas cédé aux sirènes de quoi? Des paillettes, et de l'argent, et tout ça. Et il n'a pas de Rolex. Vous êtes connu à l'âge de 6 ans, je trouve ça super émouvant. Vous avez dit « On va fêter nos 70 ans d'amitié. Oui. » Et il vous a donné votre première leçon de fidélité. Vous l'avez dit dans un de vos livres. Absolument. Parce que. Lui est séducteur. J'avais une copine que j'avais eu du mal à trouver. Il arrive pour me la piquer. Alors, il ne faut pas pousser quand même. C'est vrai. Alors, elle était tellement belle. Elle était tellement belle. J'étais jeune. Bon, je ne ferai plus jamais ça aujourd'hui. Bon. Et là, il a été formidable parce qu'il m'a convoqué. Il m'a dit j'ai à te parler. Bon. Il m'a dit écoute, c'est très simple. Maintenant, tu choisis. C'est une nuit avec elle ou le reste de ta vie avec moi. Magnifique. Et ils sont là tous les deux ce soir. Merci beaucoup. Et on n'a pas couché ensemble. Merci beaucoup. Merci sincèrement d'être venu pour ce temps de ma vie. Je vous laisse repartir par la grande porte. Merci. C'est magnifique cette amitié. Hein. Formidable. Alors, Flavie, on reprend votre parcours. Donc, vous arrivez à Paris, 19 ans. Oui. Et qu'est-ce que vous faites? Vous inscrivez dans une école de pub? Bah déjà, je fais quelque chose de très, très important. C'est-à-dire qu'effectivement, je me marie. Je m'inscris dans une école de publicité. Et puis, je fais une rencontre assez importante, qui est celle de Thierry Ardisson. Et puis après, je rentre dans la vie active. Alors, comme comment on rencontre Thierry Ardisson? Parce qu'il y a plein de gens qui rêvent de rencontrer Thierry Ardisson. Parce que je faisais des photos. J'étais à droite, à gauche. J'étais habituée à me balader comme ça sur les plateaux de télé. Le papa de mon fils Antoine était réalisateur de télévision et qu'un jour en le rejoignant je croise Thierry Ardisson qui me dit mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, venez me voir lundi et venez faire un stage. Et puis je me suis pas posé de questions à l'époque, mon mari me signait mes mots d'absence pour l'école, c'est un truc con quand même. Et donc ça m'avait vraiment. Et un jour, il était venu me chercher à 16h30 avec limite un pain au chocolat. Enfin, je me suis dit, on part dans un truc qui n'est pas totalement normal. Et donc, je suis allée chez Ardisson et Lumière et j'ai commencé à apprendre la production à ce moment-là. Vous travaillez sur Froufrou notamment? Je travaille sur Froufrou, sur Autant n'emporte le temps. Et je découvre le développement des émissions de télévision. Je découvre l'ombre de tous ceux qui travaillent et qui conçoivent des émissions. Et j'adore ça. Bon, sauf que 21 ans, premier bébé donc. Oui. Et là, vous arrêtez la télé. Mon fils Antoine. Pour pouponner. Oui, j'arrête 9 mois. Elle écrit un livre. Vous écrivez un livre? Oui. Thriller qui fait pas peur. On me dit. Mais c'est vrai, dis donc. Un thriller qui fait pas peur. Absolument. Il paraît qu'il y a même beaucoup d'humour dans ce. Il paraît que mon livre est très drôle. Mais vous ne l'avez pas publié? Peu de personnes l'ont lu. Non, je ne l'ai pas publié parce que je me suis arrêtée, je pense, quand j'ai commencé à le faire lire à mon entourage. Et je l'ai toujours, hein. Elle s'est retrouvée à l'antenne grâce à Alain De Greffe qui a été charmé par sa gouaille. Et en 96, le destin vous rattrape, la télévision à nouveau. Oui. Là, c'est Alain De Greffe, le grand
patron Manitou, de Canal Plus. Le grand patron de Canal Plus qui me repère dans les couloirs quand je viens proposer un concept. Et qui n'est pas du tout intéressé par mon concept, mais qui me propose de passer un casting le lendemain, je crois. Comment est-ce qu'elle réussit à se faire embaucher par De Greff pour faire la Miss Météo alors qu'elle n'a pas de sein? Je salue mon nouveau complice qui vient tout de suite d'entrer dans le vif du sujet. Donc je pose la question qu'on vient de me poser. Comment vous faites pour être embauché par De Greff pour faire la météo alors que vous n'avez pas de sein? Ah, écoute, alors là, je ne sais elle pas. Avait de la guaille. Parce que justement, je dénotais. C'était de la guaille. C'était la guaille. Non, même pas, figure-toi. Non, c'était peut-être. Oui, c'était peut-être de la guaille, je ne sais pas. Ouais, non, c'est la guaille. Non, mais ça s'est fait comme ça. Oui, c'est par l'écriture et par. C'est très léger. Oui, c'était très léger, c'était écrit, j'essayais d'y mettre une petite touche, une petite patte, et voilà, et puis après, Gildas m'a repéré, et puis après, bon, on est parti. Gildas, attendez, c'est un monument de la télévision, donc j'ai eu la chance d'être accompagnée par des monuments, quoi, vraiment. Qu'est-ce qui, comment ça se passe, la relation avec Philippe Gildas, qui est donc, je disais, quelqu'un d'intimidant ou pas ? Philippe me voit... Ah oui, à la fois très intimidant et puis à la fois extrêmement chaleureux, rassurant, très. C'est un enseignement quand même de travailler c'est avec lui. C'est pas une histoire une d'amour sorte quand de même. Rigueur, une certaine exigence. Qu'est-ce que vous pensez qu'il vous trouve? Je sais pas. En d'accord. Plus, moi j'ai revu des météos de l'époque et franchement, je sais pas ce qu'il m'a trouvé. Là, je me souviens de météo sous la pluie où elle était pas très fière. Elle était là pour prédire la météo. Elle avait pas vu qu'il allait pleuvoir. Et donc on me dit à cette époque, effectivement vous faites la météo, à l'époque Canal Plus vous demande de faire des petits extérieurs un peu partout, donc vous vous êtes retrouvé parfois sous la pluie, vous n'aviez pas prévu qu'il allait pleuvoir. Ah oui, enfin, il y a plein de trucs, mais c'était super parce qu'il y avait une certaine, enfin je veux dire c'était une légèreté quoi, voilà. Au point qu'il lui est arrivé de se perdre quand même sur les toits de Canal et pas retrouver la descente. Non, parce qu'on me dit que c'était tellement léger, tellement insouciant que vous perdiez sur les toits de Canal Plus. Oui, 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 je me perdais, je me trompais de terrasse, oui, oui, mais t'es arrivé de trois mes aventures comme mais ça. De la météo, elle est passée sur le plateau, elle est devenue chroniqueuse avec beaucoup d'habileté quand même. Donc la météo, face caméra, etc. Et puis vous devenez chroniqueuse sur un plateau, là ça devient autre chose. Voilà, mais c'est pas une vocation hein, à la base. Au côté de Philippe Gildas. Absolument, mais c'est pas une vocation à la base. C'est-à-dire que je trouve que c'est une expérience géniale dont je vais pouvoir parler un jour à mes enfants, mes petits-enfants. Et je serais passée à autre chose. Je ne pensais pas du tout que ça allait durer. Et effectivement... quand on parlait de Gildas tout à l'heure, moi je ne l'ai jamais rencontré, donc je l'imagine intimidant, parce que c'est, voilà, je suis journaliste, il est journaliste. Vous aviez quel genre de... c'était quoi? C'était un modèle, c'était quoi? Ah, c'était un modèle, c'était en même temps... J'avais une relation avec Philippe qui était très tendre et j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Je l'écoutais vraiment comme une sorte de père hein, de télévision. Ne change pas. Philippe Gildas! Ah, ça me fait plaisir, tu sais. Hein. Et il me disait... Merci d'être la fille que j'ai pas eue. Merci d'être la fille que j'ai pas eue. C'est génial. Non, mais je veux dire quand même pourquoi je l'ai remarqué. Il y avait des petits écrans, elle faisait la météo dans les programmes cryptés. C'est-à-dire pas du tout la météo qu'on connaît à Canal, traditionnelle, façon De Greff, où arrivaient des filles assez plantureuses, à qui j'essayais d'apprendre un bout de météo, parce qu'à l'époque, on la faisait sérieusement. Puis j'étais marin, moi, comme tu le sais. Oui, donc vrai. Je supportais pas qu'on dise aux gens un temps complètement ridicule pour le lendemain. Oui, t'es super exigeant. Voilà. Et donc, et elle, je vois tout d'un coup ce tout petit bout de femme qui prenait la lumière de façon extraordinaire. Je suis allé voir De Greff en disant, mais enfin, écoute, il y a deux choses qui m'étonnent. T'as pris quand même une fille pour faire la météo qui n'est pas dans ton format ordinaire. C'est lui qui a parlé de la poitrine. Bah, elle le sait bien. C'est toi. Deuxièmement, est-ce que t'as vu quand même comment elle prend la lumière? Écoute, passe-la-moi. Passe-la-moi, c'est une façon de parler, bien sûr. Hein. Passe-la-moi, c'est donne-la pour un autre journal. Absolument. C'est comme ça qu'elle est venue faire la météo dans un autre journal. Et c'est là où je l'ai perdue un certain nombre de fois, parce qu'elle ne me disait jamais où elle allait faire sa météo. Elle voulait faire la surprise, elle faisait la surprise à tout le monde, y compris à l'équipe qui était chargée de la filmer. C'est vrai. Et au moment où vous êtes arrivée, elle était en train de me dire à quel point vous étiez une sorte de modèle. Non, mais ce que je reconnais à Philippe, en dehors de la rigueur, effectivement, de l'information, d'un vrai travail journalistique, moi j'étais en quête aussi d'un enseignement, parce que ce n'était pas un exercice que je connaissais. J'ai aussi terriblement adoré le fait que Philippe me souffle dans le dos au bout d'une année,
tu te souviens, pour que je parte sur M6. En fait, tu as eu des propositions d'M6. Voilà. Et elle est venue me voir et je lui ai dit textuellement, à mon avis, tu n'as aucun avenir dans cette maison. Sous-entendu, cette maison a quand même un avenir assez sombre, car c'était le début des années, c'était difficile, la fin des années quand même. On était en train de passer 2000, donc on allait entrer dans les mauvaises années sur Canal, qui s'est bien dressé depuis. Hein. Donc je lui ai dit, à mon avis, tu n'as pas grand avenir dans cette maison. Ne change rien à ce que tu es. Ouais, je me souviens bien lui avoir dit ça. Ne change pas et tu t'en sortiras toujours. Bah, voilà. Il avait du flair. On a un beau portrait là. Alors, vous vous êtes laissé convaincre et vous avez pour la première fois raconté justement votre biographie. Réussir à la télévision quand on est petit breton avec de grandes oreilles, ça c'est le titre. Et t'as fait ça. C'est la régalade. Moi, j'adore le titre quand même. Ah, il est super. Moi, je l'ai lu. Et je me suis régalé. D'abord, je connaissais pas les années Europe 1, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point. J'ai eu beaucoup de peau dans ma vie quand même. Voilà, beaucoup des rencontres extraordinaires. Ouais. Vous êtes le premier à faire découvrir aux Français Sœur Emmanuelle. Ah ben ça, c'est un miracle alors. Bon, voilà. C'est surtout pour elle. Hein. Sœur Emmanuelle et Flavie Flamand. Tu veux que je raconte celle-là parce que c'est comme quoi, il faut dans la vie quand même avoir un coup de peau. Je vais là-bas faire une idée de Bellemare. Il est toujours minuit quelque part. Pour le 31 décembre. Ouais. J'arrive là-bas et le thème cette année-là, c'était de trouver trois Français qui, dans la ville où vous êtes, ont fait quelque chose, ou font quelque chose. Et on m'envoie donc au Caire, parce qu'il y avait quand même un côté fin de la... Premier entretien Begin, ça date, hein, donc ça valait vraiment la peine d'y envoyer un journaliste. Mais je cherche mes trois Français. Et le troisième, c'était un mec qui était là depuis 4 ans et qui devait implanter une usine Michelin. Et il me dit, vous voulez que je vous parle de l'usine Michelin? Mais j'ai toujours pas le téléphone et je circule en vélo. Et il n'y aura jamais d'usine Michelin dans ces conditions parce qu'à qui voulez-vous que je vende des pneus? Et il y a un sous-fifre de Air France avec qui on travaillait qui dit, vous devriez venir avec moi parce que les Français qui sont là, ils ne vous le diront jamais. Et il m'a emmené voir sur son tas de fumier Sœur Emmanuelle. C'est comme ça. Qui vous donne notre vision du bonheur et qui vous présente plein de gens. Et surtout, en vous disant, contrairement à ce que vous pensez, ils sont plus heureux que parfois ceux qui vivent ici. Oui, il oublie l'essentiel. Il a trouvé la femme de sa vie. Oui, c'est vrai. Et c'est ce qui peut arriver, le mieux à un homme. J'ai vécu ça à Europe. Et puis, il a eu une chance extraordinaire. Il fait partie de ces 10 journalistes, ces 10 animateurs qui ont inventé la télévision du 21e siècle au 20e siècle, et avec 20 ans d'avance. Et puis, vous êtes un de ceux qui, et on parlait de Guillaume Durand tout à l'heure, mais il est passé après, quoi, hein, qui ont effacé les barrières entre le journalisme pur et dur et l'animation, etc. Donc, voilà. Mais puisque je suis en face de vous, d'abord, il a l'amitié de Maryse, parce que vraiment, elle est venue faire cette émission, c'est l'émission de sa vie pour elle. Mais c'est vrai que pour moi, ça, et puis emmener Muriel Robin ou d'autres au bout du monde, moi qui ai toujours rêvé d'être un grand voyageur et qui n'ai pas eu sa chance à lui, vous faites les deux plus belles émissions, celles que j'ai envie de faire. Merci. Merci, les deux. La police, ça me faisait rigoler, tout à l'heure, d'être en forme. Merci beaucoup. Merci. Merci. Jacques. Présent. Donc, ce tour du monde magnifique, avec ce moment de poésie tout à l'heure, avec le tour de magie, vous revenez, vous racontez votre tour du monde, et le livre est un best-seller. Oui. C'est ce qui fait de vous un journaliste, vous êtes repéré, et puis c'est finalement un grand patron de presse qui vous dit « toi, t'es fait pour la pub ». Oui, Pierre Lazareff, le plus grand de tous. J'ai eu la chance d'abord d'être formé au culte des images par Roger Théron, le grand patron de Match, qui pendant 20 ans a fait de ce journal le plus grand journal français. Et puis d'apprendre le poids des mots après le choc des photos de Pierre Lazareff au moment où François tirait à plus d'un million d'exemplaires. Et à 30 ans, il me nomme rédacteur en chef de Elle. Et je passe une semaine là-haut chez les Folles. Et je lui dis, Pierre, écoute, ça, je peux pas. Moi, je ferais tuer pour toi, mais je peux pas. Il m'a dit, mais tu es pas fait pour la presse. Tu as besoin d'inventer quelque chose de neuf. Mais tout a déjà été fait dans la presse. Va dans la pub, tu es fait pour la pub. Et d'ailleurs, si ça marche pas, tu garderas ton titre de rédacteur en chef et tu pourras revenir. Alors, on parle beaucoup de culot parce qu'il en faut dans ce métier. Vous en avez eu tout de suite. Il a proposé qu'on lui redonne 20% des parts à Bernard Roux et à lui. Où ils s'en allaient et on leur a dit bah, écoutez, partez. Et donc ils sont partis, c'est à cause de ça qu'ils ont créé leur agence ensemble, Bernard Roux
Et Jacques. Non mais alors voilà, ce qu'on me raconte, c'est que vous êtes embauché dans une agence et vous allez voir les grands patrons, vous venez quasiment d'arriver et vous leur dites bon ben on voudrait 20% des parts de la boîte. Et oui. Sinon vous me virez, sinon je pars. Donc ils disent non. C'est vrai? Oui, c'était en 68. En 68, donc, votre liberté. Je venais de lancer quelques pavés sur la gueule des flics, c'était pas sous les pavés de la plage, c'était sous les pavés de la pub, et je leur ai dit, mais écoutez, aujourd'hui, il faut partager, hein, le monde va changer, tout ça va devenir socialiste, donc vous nous donnez 20% des parts. Ils ont dit, mais on vous donne pas 20%, on vous donne votre chèque, et allez voir ailleurs. Et on s'est retrouvé en bas avec Bernard Roux, dans le bistrot qui était en bas de l'agence, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on fait Rousseguela. On fait notre agence. Et ça a démarré comme ça. On n'avait même pas de clients. Et il a pris comme principe qu'il fallait casser la baraque. Et comme on était tous en train de faire beaucoup de bruit, il s'est dit, je vais faire plus de bruit que les autres. Et il a pris Pompidou en train de se promener dans son bateau avec le moteur Evin Rood. Il l'a passé dans l'express. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous dites, hein, je suis un tout petit publicitaire inconnu avec une toute petite agence, et vous créez un scandale national. C'est quand même Pompidou. Sa spécialité, il faut dire. C'était le patron qui s'appelait le Wittner, qui était le patron de Mercury. Moteur de bateau. Ouais, de bateau, qui a dit, écoutez, moi je viens de faire une campagne qui va coûter une fortune, j'ai pas vendu un moteur. Il me reste une page dans l'Express, étonnez-moi. Et je me suis souvenu que quand j'étais à Match, j'étais allé faire un reportage de Pompidou, à Saint-Tropez et qu'il était sur un petit youyou. Je me suis dit, mais si jamais le moteur était un moteur Mercury. Alors j'ai foncé aux archives de Match, je me suis fait donner en douce la photo, c'était un moteur Mercury. Pas de chance, l'Express était envoyé à l'Elysée avant la parution. Madame Pompidou, prenant le café avec Georges, dit, mais oh, Georges, vous prenez pour un mannequin maintenant, Pompidou. Et pour bien faire devant sa femme, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Passez-moi le téléphone, appelez-moi Servan Schreiber, qui était le patron, et Françoise Giroud, qui étaient les deux patronnes du journal. Qu'est-ce que c'est que ça? J'interdis la sortie du journal. Et Servan Schreiber me téléphone et me dit, espèce de petit salopio, parce que j'avais glissé ça sans qu'il s'en aperçoive, trouve-moi maintenant une idée pour me débarrasser de ça. Je dis, mais c'est très simple, il faut arracher les pages. Ben, il me dit, mais c'est très bien, tu vas t'en charger. Et je me suis retrouvé dans un hangar où il y avait 400 000 pages à arracher. 400 000 pages. J'ai appelé tous les copains. Pendant 40 Pour une fois, heures. Tout est vrai. On me confirme que c'est vrai. Mais de temps en temps, j'en laissais glisser un pour que les télévisions puissent voir que j'avais fait quand même une pub avec Mercury. Il raconte bien quand même. On peut l'applaudir parce que c'est une belle histoire. Une histoire vraie. Alors, on est obligé de faire des ellipses. On ne peut pas tout raconter. Donc, effectivement, votre carrière, le public s'en souvient. Vous avez créé une agence Euro-RSCG. D'abord, RSCG, Euro-RSCG. Et donc, effectivement, et le grand public vous a connu parce que vous avez sorti une autobiographie une première fois. C'est quoi? Ne dites pas à ma mère. Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle me prend pianiste dans un bordel. Mais c'était vrai. Ma mère, quand elle me présentait à ses copines, me présentait comme docteur en pharmacie, jamais comme publicitaire. Et jusqu'à la fin, elle a refusé de me voir en publicitaire. Bien bon. Connu, il y a toujours un docteur dans les bordels. Et donc, un publicitaire, effectivement, qui réussit et qui devient célèbre. Le public commence à mettre un visage. C'est-à-dire que pour le public français, quand on dit publicitaire, vous êtes le visage de la publicité en France. Et vous êtes effectivement un bon client. C'est pourquoi, on le voit bien depuis le début de la soirée, le sens des formules, une spontanéité incroyable et une spontanéité qui vous joue des tour parfois. Guillaume Durand en a parlé tout à l'heure. Oui, ah ben, oui, bien sûr. Alors, justement, pour que vous ayez le temps de vous expliquer sur cette histoire, donc vous avez dit vous-même, c'était la plus belle connerie de ma carrière, cette histoire de Rolex. Alors la phrase exacte, c'était quoi que le public a entendu? Un homme qui a 50 ans n'a pas de Rolex a raté sa vie. Voilà, ça, faut dire donc c'est une formule. C'est une formule. Sortie du contexte que le public entend. Du contexte, parce que en fait, j'étais sur les quatre vérités le matin et le journaliste attaque Nicolas Sarkozy sur le bling bling. Je dis, mais enfin, arrêtez avec le bling bling. Vous n'allez pas pendant persécuter. Je suis moi-même Jacques Séguéla assez bling bling et c'est normal que je défende le bling bling. Vous-même, les journalistes, vous avez une Rolex, une paire de Ray-Ban. Arrêtez ce sinoche. Et emporté par l'élan,
Je dis là, la plus belle connerie de ma vie, enfin, j'espère que j'en dirai d'autres quand même, et dans mon élan, je dis un homme, et je parlais de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire un président de la République, qui à 50 ans ne peut pas s'offrir une Rolex si c'est le rêve de sa vie, a raté sa vie, parce qu'évidemment on ne peut pas arriver à ce niveau-là et ne pas pouvoir s'offrir ça. Je crois que Rolex, donc, il paraît d'ailleurs, a pris très très mal les choses, a pris très mal l'histoire, alors que de sources sûres, ils ont vendu des milliers et des milliers de Rolex depuis cette histoire-là. Alors que nous, tous les copains, on attendait des caisses entières de Rolex en cadeau, au moins après une pub pareille. Et c'est ma chère assistante qui est là, qui à 10h du matin me dit « Mais qu'est-ce qui se passe sur le net ? Ça explose, il m'explose de quoi ?» À cause de la Rolex, elle me dit « J'ai rien dit sur la Rolex, j'avais complètement oublié. » J'ai dû regarder la phrase sur le net, que je regardais comme ça, omnubilé, pour me dire « C'est pas possible, c'est toi qui as dit ça ?» Et le lendemain, je suis allé m'excuser sur Canal+, parce que j'ai vu que ça avait tellement traumatisé les gens. J'ai reçu des lettres d'insultes, des coups de téléphone, de menaces de mort, les gens me tournaient le dos. Mais je n'étais qu'une phrase maladroite que j'avais dite. Une formule parmi des centaines de votre vie. Bon. Et donc, je suis allé m'excuser platement. Et puis, c'est Bafi qui m'a sauvé la peau. Parce que chaque année, fait une vente aux enchères où il demande à ses copains d'apporter un objet pour creuser des puits en Afrique. Et il m'a dit, apporte-moi ta Rolex. Mais moi, je n'avais pas de Rolex, je l'avais offert à ma fille pour ses 19 ans. Alors j'ai dit que je n'ai pas de Rolex. Puis je me suis dit, mais non, écoute, je vais en acheter une, c'est trop beau. Alors je suis allé acheter une Rolex que j'ai payé 1500 euros, qu'on a mis aux enchères, qui s'est vendue 8000 euros. C'est Jean-Claude Darmon qui l'a acheté. Merci Jean-Claude. Et donc, les choses ont commencé à se retourner. Et l'argent est allé creuser 3 puits en Afrique. Donc, c'était une grande connerie, mais c'était finalement, une belle guerre. Il y avait des conséquences. Alors, puisque vous avez le sens de l'autodérision, on a préparé un peu une... Vous savez comment ça s'appelle ? Une interview formatée. C'est Thierry Radisson qui a inventé ça. Oui. L'interview s'appelait... Interview raté sa vie, parce que c'était ça votre formule. Et on va demander si voilà, Flavie accepte de jouer quelques instants. Mais oui, quel Thierry bonheur. Radisson. D'accord, c'est nous qui avons écrit les questions. Alors vous allez vous habiller en Thierry Radisson. Jingle. Tenez les plus bas. Interview, t'as raté ta vie. C'est ça, non ? Jacques Séguéla, t'as raté ta vie s'il y a un an. Tu sais pas marcher, tu têtes encore les seins de ta mère, t'as pas un baby gros Gucci. On m'a jamais parlé aussi gentiment. T'as raté ta vie, Jacques Séguéla, s'il y a 5 ans. Tu sais pas écrire ton nom en lettres bâton, t'as pas une bonne pour ranger ta chambre, t'as pas dit à ta mère que c'est la plus belle du monde. Mais ma vie commence à peine. Et je vais me mettre à l'écriture dès aujourd'hui. J'arrive pour t'écrire la plus belle lettre d'amour qui soit. T'as raté ta vie si à 10 ans, t'as pas aidé une vieille dame à traverser, t'as pas tripoté ta cousine, t'as pas une Porsche télécommandée. Pour pas tripoter ta cousine, c'est quand même plus sympathique. Tripoter, pas plus, comme ça. T'as raté Les ta cousines, vie... Les cousines, c'est quand même fait pour ça. Pas que. T'as raté ta vie si à 15 ans, tu sais pas ce que veut dire fellation, t'as pas un iPhone... T'as pas donné ton McDo à un SDF. Fellation, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Il est temps d'aller... Oui, enfin bon, d'accord. Pas sympa pour t'as sa femme. T'as raté ta vie s'il y a 20 ans. T'as pas payé pour faire l'amour. T'as pas un coupé Mercedes. T'as pas fait un voyage humanitaire. À 20 ans. Tu as pas payé pour faire l'amour. Qu'est-ce que vous choisissez? Quelle horreur. Non. L'humanitaire, ça aurait été le rêve de ma vie. Bon. T'as raté ta vie s'il y a 30 ans. Ton appart fait moins de 100 mètres carrés. T'as jamais dit je t'aime. T'as jamais eu deux femmes dans ton lit. Excuse-moi, question. Qu'est-ce que vous choisissez? C'est Thierry Ardisson. Je dirais à dire je t'aime à 30 ans, mieux vaut le dire deux fois. Une fois à dans droite, le une lit. Fois à gauche. Jacques. Mais après 30 ans, combien quand on se marie, c'est fini. Bien compris. T'as raté ta vie s'il y a 40 ans. Ouais, bon. T'as pas une maîtresse. T'as moins de 10 000 euros par mois, tu donnes pas régulièrement à la SPA, à 40 ans. Ah, il faut donner à la SPA. Nos amis les bêtes restent nos amis les plus fidèles. D'accord. T'as raté ta vie s'il y a 60 ans. T'as toujours ta Rolex d'il y a 10 ans. Tu prends du Viagra,
T'as pas adopté un orphelin au Malawi? Je préfère adopter un orphelin que d'être obligé de passer au Viagra à tout faire. D'accord, oui, ben là on peut pas tout faire, on est d'accord. T'as raté ta vie s'il y a 80 ans, t'as pas eu un petit cancer, t'as toujours pas d'enfant, ta femme a le même âge que toi. C'est horrible d'être Thierry Ardisson. Interview à l'Ardisson. C'est moi qui ai le même âge que ma femme, c'est parce qu'elle a 25 ans de moins. T'as raté ta vie s'il y a 100 ans, t'es pas mort, si tu sais plus comment tu t'appelles, si tu laisses même pas un iota en héritage. Moi, je suis contre l'héritage. D'accord. Je pense qu'il faut tout claquer de son vivant. Sinon, on donne de très mauvaises habitudes à ses enfants. Moi, je les ai prévenus. Jacques, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Ah oui, c'est ma carte de vœux. Alors, il y en a plusieurs. On va les regarder comme ça dans le désordre. Donc ça, c'est en 2007. Donc il y a marqué « Jacques Séguéla vous souhaite une année sans revers ». Puisque tout le monde vous parlait de ce retournement de veste. Ça, c'était votre carte de vœux que vous avez envoyé à tout le monde. Donc, on envoie une autre. « Jacques Séguéla et son chirurgien esthétique vous souhaitent une belle année 2007 ». Puisque tout le monde le chambre sur son bronzage. Voilà. On envoie une autre. Là, les gens vous disent, mais quand est-ce que vous allez arrêter, etc. Il y a marqué, j'arrêterai quand il arrêtera. Et on voit Jacques Chirac et on est en 2005. J'ai pas tenu ma parole. Voilà. Comme des hommes politiques. Et puis celle de cette année, on vient de parler du sujet. Donc 2010, grattez ici pour savoir si vous avez réussi votre vie. Parce gratter, elle n'est pas gagnée encore. Vous pouvez peut-être gagner une Rolex. Alors, qu'est-ce que ça dit? Vous n'avez pas gagné la Rolex offerte par Jacques Séguéla. Oh, il y en a une à gagner, elle est là. Néanmoins, elle est dans la... une bonne et elle est quelque part dans la nature. Donc vous ne savez toujours pas, vous, qui a gagné. Non. Parce que nous, on a trouvé le gagnant. Ah. Je vous demande de lui faire un triomphe, il est derrière vous, regardez. Bonjour. Merci d'être là. On va vérifier. Je vous laisse montrer aux téléspectateurs et à Jacques. Si, alors, installez-vous à côté. Si la carte est gagnante. Il y a marqué, vous avez gagné la Rolex offerte par Jacques Séguéla. Vous venez de réussir votre vie. Bonne et heureuse année 2010. Voilà. Merci. Incroyable. Avec alors, ça. Il recevra une Rolex. Mais... elle est en chocolat. C'est ça. Elle est prête. Elle est en chocolat et tatin. Non. Est-ce que je peux vous dire que je la mérite, cette Rolex? Alors, allez, je vous laisse vous asseoir. Est-ce que vous pouvez me dire juste un mot, quand même, parce qu'un autre grand publicitaire qui est près de nous... C'est le plus grand publicitaire des années 80. Je lui ai usurpé... Pour une fois qu'il dit la vérité. Je lui ai usurpé le titre, parce que c'est l'homme qui a sublimé la femme comme elle n'a jamais été sublimée. La femme à la rose, c'est lui. La femme qui a laissé son empreinte indélébile d'un pied sur un deck... C'était avant quelle guerre, ça? Sur un deck d'Arbor Island. Pour une boisson citronnée, on s'en souvient. C'est lui, l'homme qui a fait aimer le couscous en boîte aux Français, le couscous garbi, c'est lui. Donc il a su faire rêver les foules. Alors... Vous dites cette montre, on va arrêter de dire la marque, mais cette montre de luxe, il me la doit bien. Pourquoi? Il y a quelques années, je vois Jacques rentrer de voyage et il a la montre que je désire depuis des années au poignet. Jacques me dit, elle te plaît ma montre, je te la donne. Je suis bouleversé, j'ai l'âme dans les yeux. J'avais moi-même une montre à laquelle je tenais énormément. Je la détache et comme les Indiens qui font des échanges de sang, on s'échange les montres. Je rentre à Paris, la montre est arrêtée. La montre ne marche plus. Je vais chez Rolex... Je sors la montre de la poche et elle me dit « Monsieur, nous ne réparons pas les fausses Rolex. C'est énorme. » J'avais acheté à Hong Kong. J'avais acheté à Bangkok. Alors, 40 ans d'amitié. Je lui ai rendu sa montre. Justement, je ne sais pas quoi faire. Je suis très malheureux parce que je suis très en colère. Je dis « Écoute, Jacques, c'est incroyable. Tu me fais un cadeau et un faux cadeau. » Il dit « Mais tu avais l'air tellement heureux. » Il a réponse à tout. On applaudit cette histoire. Bon, je dis la vérité, hein. On a truqué, on ne connaît pas le vrai gagnant de la Rolex.
On ne connaît pas le vrai gagnant de la Rex. Non. Juste une phrase, peut-être. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi dans son autobiographie, vous avez dit « Prenez Séguéla, je garde Jacques ». Oui, parce que Séguéla vous appartient à tous. Séguéla appartient au monde entier. Moi, j'ai le petit Jacques et je sais plein de choses sur le petit Jacques. Parce que le petit Jacques, c'est un être absolument délicieux. C'est un ami. Vous savez, l'art et l'amitié, c'est un peu pareil. Il n'y a que le temps qui peut vous donner un bon jugement sur la chose. Et donc, ça fait 40 ans que chaque fois que j'ai besoin ou que j'ai un coup de fil, Jacques est là. Et d'ailleurs, il le sait. Je suis d'ailleurs totalement opposé à Séguéla, mais j'adore Jacques. Magnifique. Je le hais. Je le hais parce que mon plus beau livre, mon seul livre, j'en ai écrit 25. Justement, c'est cette autobiographie où j'ai fait la bêtise d'ailleurs de glisser, de façon idiote, j'ai écouté l'éditeur, la rencontre de Carla et de Nicolas. Alors, on n'a parlé que de ça et on a oublié tout le reste du livre. Et on était ensemble en vacances. Il lit le manuscrit et dit « Je vais te faire une préface ». Et il m'écrit une préface de deux pages, absolument magnifique. Et pratiquement une fois sur deux, quand j'offre mon livre dédicacé, une semaine après, les gens me disent « Ah, la préface !» Ah, la préface. Mais dans la préface, il y a tout. Deux pages. 250 pages. Ah, la préface. Je le hais. Gardez les droits. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci de votre jour. Vous repartez par la même porte. Oui, c'est vrai. Merci. Jean-Pierre Mac. Alors, on continue votre parcours. Tout à l'heure, Philippe Gidès nous dit « Elle part de Canal+, à M6, je l'encourage ». Et puis, le grand public vous découvre sur TF1. C'est au début des années 2000. Oui. On se demande plein de choses, mais il y a quelqu'un qui avait une question à vous poser, que vous connaissez. Regardez. Flavie, je me rappelle comme si c'était hier, c'était il y a 10 ans, quand je t'ai appelé et je t'ai fait venir chez moi. On s'est mis sur la terrasse, au soleil, il faisait beau. Et je t'ai dit, moi, j'aimerais bien, à l'époque où on se voyait, j'aimerais bien que vous veniez sur TF1 pour présenter Exclusif, mais aussi, naturellement, pour faire des prime time. Et à la fois, j'ai vu dans ton regard une grande surprise et en même temps, une espèce de réponse naturelle, comme si c'était pas invraisemblable qu'on te propose ça. Et il y a une question, Flavie, que je continue à me poser. Quand tu es arrivé à la maison, chez moi, tu ne savais pas ce que j'allais te dire. Est-ce que vraiment tu pensais que j'allais te proposer de présenter des prime time sur TF1? Voilà, ça c'est une question-là. 10 ans après, je me la pose toujours. Voilà, Étienne Moujotte, qui a été pendant beaucoup d'années le patron de TF1. Le patron de TF1, mon patron, voilà, j'étais heureuse de travailler pour lui, pour son regard, pour sa reconnaissance, pour ses appels à chaque audience. Enfin, j'étais heureuse de travailler pour lui. C'était vraiment, Étienne, c'est une personne pour laquelle on aime travailler. Voilà, alors, vraiment. La question était... Et Étienne, effectivement, m'a proposé de venir présenter Exclusif en direct tous les jours et m'a parlé de Prime. Et je ne m'attendais évidemment pas à ce qu'il me le propose. Ça, c'est une réalité. En revanche, lorsqu'il m'a invité à le faire, j'avais déjà une telle confiance dans son regard et dans sa vision des choses que je me sentais déjà en sécurité et je savais que j'allais être accompagnée. Et c'est vraiment quelqu'un qui est très motivant et c'est un grand, grand monsieur de la télé et un grand journaliste qui m'a beaucoup appris. Voilà. Alors justement, il vous a posé cette question. Vous ne vous doutiez pas du tout de ce qu'il allait vous proposer. Pas du tout. Vous ne vous doutiez pas de ce qui allait arriver puisque vous êtes venue la grande prêtresse des prime time, les plus grandes stars internationales. Ah oui, mais les choses se sont faites Charles tellement... Charles Aznavour, très exposé, surexposé, on peut dire ou pas? Oui, oui, trop. Et la pression qui va avec cette exposition colossale, c'est l'exposition médiatique avec des couvertures de magazines, beaucoup, beaucoup de couvertures. Celles qu'on a choisies puis celles qu'on ne choisit pas. Oui. Comment on vit ça de l'intérieur? Très difficilement. Parce que le public se dit, ça fait partie du métier. Voilà, vous savez comment ça se passe. Comment mais ça se vit de l'intérieur? C'est très difficile et c'est très douloureux. Honnêtement, ce que vous avez vécu, c'est arrivé à très peu de gens de ce métier.
À ce point. Donc ça veut dire que c'est quoi? C'est on prend de distance, on fait quoi pour vivre? Non, on ne prend jamais de distance, on en souffre terriblement. C'est une présence permanente de paparazzi pendant des années, c'est ça? C'est-à-dire que des moments qu'on croyait même des moments intimes, en famille, avec des enfants, dans une vie privée, on se rend compte qu'on n'était pas seul. C'est extrêmement violent, c'est extrêmement intrusif, les méthodes sont absolument lamentables. Et en plus, c'est incontrôlable, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Contrairement à ce qu'on peut penser, on peut tout vous dire, on dit oui, ne va pas, c'est le revers de la médaille, on provoque la presse. Non, c'est pas vrai. On ne peut rien faire contre ça. Et on ne peut rien faire contre ces gens-là, à part faire ce que je fais, c'est-à-dire les attaquer systématiquement et gagner mes procès. Est-ce qu'elle n'a jamais fait un deal avec des paparazzi ou des magazines en prenant de l'argent, comme certaines personnes l'ont fait? Alors effectivement, c'est une question que j'entends là-haut et que des téléspectateurs doivent se poser. Le public sait maintenant que parfois les stars font des deals avec les paparazzi pour faire des fausses... Donc on me demande si vous en avez déjà fait. Mais jamais, comment voulez-vous? Ah non, mais ça me... Non, jamais. Je pense être une des seules à ne pas le faire, justement. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une sorte d'acharnement à me raconter une vie absolument terrible, à faire de ma vie un scénario avec des coups de théâtre et des coups durs, parce que justement, je suis peut-être une des seules incorruptibles de ce milieu-là. Et Dieu sait si effectivement ces gens-là sont venus me proposer différents deals que j'ai toujours refusé. Beaucoup de gens pensent qu'elle a accepté. De donner une interview contre 6 mois de tranquillité. Leurs méthodes sont dégueulasse et je ne rentrerai jamais là-dedans. Voilà, c'est dit. Je peux vous confirmer qu'elle en souffre terriblement, qu'elle dit non à tout, qu'ils sont souvent près de la maison, ils tournent en scooter, ils sont partout. Mais faites des deals, vous allez vous enrichir et arrêtez de vous embêter maintenant. Non, c'est pas on dit non, il y aura moins de photos. Il y a un petit débat là-dessus, là-haut. Effectivement, je crois que c'était bien d'entendre ce que vous avez dit. Tout le monde tente de dédramatiser. Alors, il y a quelqu'un qui vous connaît bien et depuis très longtemps, qui connaît la vraie Flavie Flamand et qui avait envie de vous poser une question. Flavie, bonjour, c'est papa. Enfin, je veux dire, si tu peux m'appeler grand frère, ça l'arrangerait quand même bien que j'ai les cheveux blancs. Flavie, tu n'avais que 16 ans lorsque je t'ai rencontrée. Tu étais déjà très belle et tu méritais largement ce prix de Miss OK. Et déjà, tu disais, j'aimerais bien être journaliste. Tu avais ça en tête. Alors après, tu as fait ce parcours étonnant. Je t'ai retrouvée à la fin des années 90 sur M6 en animatrice de Prime. Et puis, tu as eu ce parcours à travers toutes les chaînes. Et moi, je me demande si, est-ce que tu penses que, justement, ce désir profond que tu avais lorsque tu avais 16 ans, que d'être journaliste, eh bien, tu l'as assouvi, ou est-ce que c'est encore en devenir? Voilà, je t'embrasse très fort. C'est le grand frère. Merci. Lolo. Bisous. Laurent Boyer. Laurent, c'est papa. Faut pas charrier quand même. Laurent, il a toujours été là. Il a toujours été là, je l'ai croisé il y a très peu de temps et c'est quelqu'un qui a toujours été présent. Et quant à sa question, journaliste, oui, je voulais être journaliste. Alors j'ai assouvi... Même si ça ne s'est pas vu dans les émissions que je pouvais présenter, mais il y a une façon de faire les émissions. Après, il y a des montages qui font qu'on ne rend pas forcément compte du travail qui a été fourni. J'ai assouvi à quelques reprises mon plaisir, en tout cas ma curiosité. Parce qu'on parle beaucoup des primes de variété, mais vous avez aussi fait des talk shows, Vie ma vie. Oui. Et puisque vous avez remplacé à sa demande Laurence Ferrari. Oui, qui m'a passé le relais comme ça quand elle est partie. Qui est aujourd'hui reconnue comme une journaliste, elle présente le 20h, elle interroge le président de la République. Et donc vous l'avez remplacé, vous avez été sur ses pas à Vie ma vie, et peut-être que vous allez être sur ses pas au journal de 20h ou dans les interviews des présidents. Non. Parce que, comme on aime bien, vous savez, dans cette émission, on parle d'une situation, on aime bien l'imaginer. Oh. Alors nous, on avait envie de vous imaginer interviewer le président de la République le jour du 14 juillet. Alors, vous avez réussi à faire élire pas mal de présidents. On pourrait imaginer que vous avez été élu à votre tour. Vous êtes président de la République, Jacques Séguéla, et vous êtes le jour du 14 juillet en train d'interviewer le président de la République. Vous êtes d'accord? C'est parti. Il aura pas de mal, Jacques. Pendant qu'on installe tout, je vous fais lire 3 situations qui ont été inventées par Arnaud et Jonathan qui travaillent avec moi. Vous allez lire très fort, vous allez choisir une de ces situations. C'est de la politique fiction, mais ça pourrait exister, ça rappelle des choses qui ont déjà existé. Écoutez bien. Une jeune et jolie stagiaire a déclaré avoir eu une liaison avec le président de la République, marié, lui, depuis 20 ans. Lui nie tout en bloc alors qu'elle se répand dans les journaux. Vous devez faire la lumière sur cette affaire et lui faire dire la vérité.
Ça, c'est une situation. Ça ne m'intéresse pas. Un peu Monica Lewinsky, vous voyez, hein. Oui, oui, bah voilà, c'est pour ça, ça a déjà été éprouvé. Donc, c'est la crise. Les Français souffrent et ont du mal à joindre les deux bouts. Pourtant, le président de la République s'octroie 15 jours de vacances dans le palace le plus cher des Maldives. De nombreuses photos de président et de son épouse sont sorties dans la presse à scandale. Le doute plane sur le financement de ce voyage, argent du contribuable ou denier personnel. Était-ce le bon moment pour faire ce genre de voyage? Troisième situation. Depuis 10 jours, le président de la République paraît 10 ans de moins. Ça va bien. Plus une ride, de nombreux cheveux, des dents plus blanches que jamais. Sans parler de son bronzage. Attends, sans parler de son bronzage. Le président aurait-il eu recours à la chirurgie esthétique et ne cacherait-il pas une cabine duvet dans ses appartements? Vous devez le questionner avec le respect que vous lui devez et lui faire dire que oui. Il est passé sur le billard pour un petit rafraîchissement. Les Français ne préféraient-ils pas avoir un président moins beau, mais plus efficace? Je prends la deuxième. C'est parti, interview. Nous sommes le 14 juillet. J'ai joué, Flavie. Monsieur le Président, je vous laisse vous installer. Qui peut-il lui demander président de droite ou de gauche? Très important. Président de droite ou de gauche, on ne sait pas. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Flavie. Alors, juste avant de commencer l'interview, les caméras ne tournent pas. Donc, on va passer maintenant au stade de la confidence. Vous et moi, j'avais envie de prendre de vos nouvelles. Comment sont passées vos vacances? Mais je n'ai pas de vacances. Monsieur le Président, on ne peut pas être aussi efficace que vous à la tête du gouvernement et ne pas partir en vacances. Mais je trouve que vous avez une mine assez particulière. Les caméras ne tournent pas, vous n'êtes pas microté, rien. Vous pouvez tout me dire aujourd'hui. Vous savez bien que je n'ai pas de vacances. Enfin, voyons. Un président n'est pas là pour prendre des vacances. Un président est là pour que les Français puissent prendre des vacances. Et c'est sur mon honneur de savoir que les Français peuvent prendre des vacances. Voilà une jolie formule à la Séguéla. Le problème, c'est qu'on va se retrouver avec un Jacques qui aura réellement envie d'être président, je peux vous le dire. Certaines personnes de votre gouvernement, certains membres de votre gouvernement, vantent votre capacité d'adaptation. Le fait que vous puissiez travailler dans n'importe quelle position, dans n'importe quelle circonstance, quelle que soit la destination, vous ne pouvez pas le nier, Monsieur le Président. Je suis obligé. Mon bureau, c'est le monde. Je dois défendre les couleurs de la France partout dans le monde. Oui. Je dois être le VRP de notre industrie. Je dois me défoncer pour que vous puissiez, vous, les Français, vos enfants, les enfants de vos enfants. Et quand vous pensez qu'ils conseillent nos vrais présidents. C'est ça le métier de président. Very remarquable publicitaire, VRP. On ne va pas se le cacher. Vous pouvez également réfléchir sur un transat, dans un hôtel. Je trouve par exemple que vous avez une mine particulièrement éblouissante, monsieur le président. Mais parce que je suis heureux. Parce que l'amour rend beau. Et vous connaissez la chance que j'ai eue. Mais pensez-vous, Monsieur le Président, que je sois aussi naïf que ça? Oui, je vous crois parfaitement naïf, sinon vous m'auriez posé d'autres questions, ma chère Flavie. Je vous soupçonne, Monsieur le Président, d'avoir recours à certains plaisirs, à un certain confort. Je vous trouve une mine que vous n'aviez pas avant votre... Qui n'existe pas dans le langage présidentiel. Non, je ne peux pas vous croire, pas vous, vous êtes un vivant. Mais je suis un vivant, mais je vivrai lorsque ma mission sera terminée. Je me suis engagé devant les Français à changer ce pays. Je me suis engagé... Vous me laissez finir? N'auriez-vous pas une petite cabine UV quelque part cachée dans votre bureau, monsieur le Président? Mais non, vous pouvez me le dire. On ne tourne pas, les caméras ne tournent pas, vous n'avez pas votre micro, personne ne nous écoute. Mais non, vous le savez bien. Mais pourquoi vous ne me posez pas les questions qui comptent? Pourquoi vous ne me posez pas la seule question qui intéresse les Français? Est-ce qu'ils auront la chance de m'avoir à nouveau en 2012? Eh bien, je vais vous le dire, dans les yeux, je vais vous le dire. Oui, je serai là pour continuer. Merci, de vous défendre tous et toutes. Ça y est, il va se présenter pour de vrai, vous allez voir. On me dit, il va se présenter pour de vrai, vous allez voir. Ça, c'est sûr. On les applaudit tous les deux. Flavien était extrêmement pugnace. Extrêmement pugnace. C'est pas mon avis. Oui, mais lui est un bon baratineur, faut pas l'oublier. Bon alors, effectivement... On a parlé, c'est une manière aussi de parler de ce qui vous a fait connaître du grand public. Vous avez fait élire plein de présidents dans le monde, pas seulement en France. On a parlé de François Mitterrand. Donc c'est la première fois, François Mitterrand, vous aviez déjà... Mais non, oui, c'était la grande première fois. C'était 1980. Le dépistage. J'avais déjà fait 4 ans avant, ou 2 ans avant, j'avais eu la chance incroyable de faire pour les législatives la campagne de Valéry Giscard d'Estaing,
la campagne de Jacques Chirac et la campagne de François Mitterrand en même temps. Mais trois affiches étaient sur les murs. Parce qu'à l'époque, c'était pas du tout organisé comme aujourd'hui. Donc les directeurs de campagne téléphonaient aux créatifs un peu à la mode et leur disaient « fais-moi une affiche ». C'était le brief. Et on envoyait une affiche, on ne rencontrait pas le candidat. C'était choisi, on ne sait pas comment, au hasard. Et c'était votre agence à chaque fois ? Absolument. Et j'ai vu mes trois affiches sur les murs. J'ai laissé passer l'élection et j'ai réuni la presse. Je leur ai dit, est-ce que vous trouvez normal que ce soit le même publicitaire qui fasse les trois affiches ? Il n'y a pas une ligne dans les journaux. Un jour, il devait raccompagner Mitterrand chez lui. La voiture de Jacques, c'était une Rolls. Et Mitterrand lui a demandé s'il voulait vraiment qu'il se fasse décapiter par la presse, notamment le canard enchaîné. 1981. Vous inventez la force tranquille, dont tout le monde se souvient encore aujourd'hui, effectivement. Et donc, vous avez une relation forcément très proche avec François Mitterrand. Il vous a fait un reproche, une fois. Votre voiture. Oh. Oh là là. Tous les lundis matin, on préparait sa campagne. J'allais chez lui, rue de Bièvre, de midi à 1h. Et ce jour-là... il me dit, oh, je suis très en retard, il avait rendez-vous avec Pierre Mauroy et il n'avait pas son chauffeur. Il me dit, est-ce que vous pouvez m'accompagner ? Et à l'époque, crime fatal, j'avais une Rolls. Et donc, j'amène le président, et c'est vrai qu'il me dit, mais Séguéla, mais vous n'êtes pas malade ? Vous voulez que je monte dans cet oripeau du capitalisme ? Mais vous êtes en train de me dire que je dois être l'homme du changement, l'homme de la simplicité, l'homme de la vérité, et vous voulez que j'arrive chez Lippe dans ce temple du journalisme avec une voiture pareille ? C'est là, vous êtes nul. On va y aller pour vous punir, on va y aller à pied. On a laissé la voiture, on est allé à pied, on est arrivé avec 1h30 de retard, on est allé à pied jusque chez Lippe. Je suis revenu à l'agence et j'ai mis la Rolls en vente. 88, à nouveau, nouveau slogan, Génération Mitterrand, avec la main de François Mitterrand et ce bébé. Oui, ça c'est notre fille Lola et c'est la main de Jacques. Ça c'est l'affiche la plus difficile que j'ai eu à faire parce que François Mitterrand m'a dit, je veux une affiche qui puisse me servir, mais qui puisse servir à Michel Rocard. Je dis, mais c'est pas possible, pourquoi faire ? Parce que je ne suis pas sûr de me présenter. Donc il faut, ce qui m'a donné l'idée, de trouver un slogan qui puisse servir à l'un comme à l'autre. Donc, Génération Mitterrand, ça fonctionnait ça dans les deux sens. Et puis après, de prendre ma fille, Lola, qui est la petite fille qui est là, comme c'était il y a 21 ans, elle a 22 ans aujourd'hui. Là, on voit le meilleur de Jacques, mais il a fait un slogan formidable pour un président, je pense que c'était au Cameroun, où il a osé proposer le roi lion. Évidemment, il s'est fait remercier immédiatement. Alors, effectivement, en 2002, c'est le choc, Lionel Jospin ne passe pas au second tour. Oui. Comment, et là vous travaillez pour lui, comment vous le vivez vous personnellement, ce choc ? Très mal, très mal. D'abord, le moment le plus dur de ma vie a été l'annonce des résultats. Le dimanche matin, j'étais à la campagne avec Bernard Kouchner et avec Jacques Lang et on préparait le deuxième tour. Et Lionel Jospin m'appelle, il est 11h du matin. Et il me dit, j'ai les premiers sondages, j'ai 18,5, Chirac à 18, Le Pen à 14. Le soir, on a tous rendez-vous à l'atelier de campagne, il est 19h, on téléphone au sondeur et on apprend la terrible nouvelle, Lionel Jospin n'est pas au second tour. Mais lui ne le sait pas. Et il arrive dans la rue de l'atelier de campagne, poussé par 2 000-3 000 personnes qui scandent Jospin, président, il est là avec sa femme qui tient par la main, il monte dans cet escalier qui n'en finissait plus, où de nouveau 2 000 autres militants scandent Jospin, président, il ouvre la porte, et là, le gars qui était l'homme des études se lève comme un hussard et lui dit « Lionel, tu n'es pas au deuxième tour. Le Pen est devant toi. » Et j'ai vu le ciel lui tomber sur la tête. J'ai vu sa femme presque défaillir. Je lui ai apporté un fauteuil. J'ai vu devenir blanc, s'affaler comme ça dans son fauteuil. Et j'ai vu que tout s'écroulait pour un homme, parce que c'est le combat d'une vie. Et puis il nous a dit, je vais écrire mon discours. Et c'est là qu'on a eu la phrase terrible. « Je me retire de la vie politique ». Instantanément, Bernard Kouchner s'est assis sur son bureau et il lui a dit « Mais Lionel, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas nous abandonner, tu dois commencer à lutter. » Moi, j'ai enchaîné en disant « Mais on a perdu les présidentielles, mais on va gagner les législatives. Ce pays va se redresser, on ne peut pas avoir Chirac une seconde fois. » Et il s'est retourné vers
tous les socialistes qui étaient là, tous les premiers ministres arabes, et il a attendu un signe. Et il n'y a pas eu de signe. Il est descendu, il a fait son discours. Pendant 3 mois, je n'en ai pas dormi la nuit. Et ce qui est injuste, c'est qu'en plus, beaucoup de socialistes qui étaient présents ce jour-là lui ont mis sur le dos aussi, et aux communicants au sens large, la défaite. C'est absolument ignoble. Aujourd'hui, vous pouvez dire, finalement, en 81 ou 88, j'ai une petite responsabilité dans l'élection du président Mitterrand. Est-ce que vous avez une petite responsabilité dans l'échec de Lionel Jospin? On ne connaît pas vraiment l'efficacité de la publicité. C'est sûr que une bonne campagne ne peut pas faire gagner un mauvais candidat. Mais une mauvaise campagne peut faire perdre un bon candidat. Le problème de Lionel Jospin, c'est que c'est aurait été un très grand président pour la France, ça a été un très grand Premier ministre, c'est un homme de rigueur, c'est un homme de vertu. C'est parce qu'il était trop droit et trop honnête qu'il a refusé... Qu'est-ce qu'il y a? Il prépare 2012, là prêter... Il a refusé de se prêter, finalement, aux compromissions médiatiques dont tu parlais tant. On va revenir sur la suite, juste pour comprendre un peu, parce que Flavie Flamand, on l'a dit, un parcours assez, assez magique. Le public vous a vu dans ce costume d'émission de variété, les grands shows, les paillettes, les stars internationales. Ouais. Mais dans la vraie vie, c'est ça qu'on se demande en fait, hein, dans la vraie vie, Flavie, c'est comment? Flavie, c'est pas de talons, c'est des bottes en caoutchouc, c'est un kawé et on y va, quoi. Et on prend les copains et on va à la pêche aux palourdes et puis voilà, quoi. D'accord. Non, parce qu'effectivement, les gens vous voient sur des plateaux avec Céline Dion en paillettes et en vérité, ouais. Vous, c'est plutôt les bottes en caoutchouc et la pêche aux palourdes. Oui, là ça va, mais oui, c'est oui, oui. J'ai eu la chance quand même d'être élevée au bord de la mer avec des gens qui m'ont, enfin des parents, une famille qui m'ont initié les plaisirs très simples. Donc oui, je pense pas les avoir perdus de vue, ouais. Moi, j'ai une petite anecdote sur Marc Lavoine qui est énorme. Elle adorait Marc Lavoine, elle adore toujours Marc Lavoine, et le premier soir, la première fois qu'elle le rencontre, il vient en coulisses la saluer, et hélas, enfin, tant mieux, Marc Lavoine étant un garçon très galant, il lui fait le baise-main, mais elle avait mangé des sushis. Et donc du coup, bah, elle avait les mains qui sentaient le poisson cru, et ça n'avait pas trop glamour pour le baise-main. On est assez fascinés par tout ce qui est décalé, évidemment, les situations un peu comme ça, conformes, et qui dérapent. Que vous avez fait ou pas, elle a toujours de l'eau de cologne dans son sac, sur son bureau, partout, des lingettes. Parfumée, enfin bon, la reine du parfum. Non, parce que vous côtoyez des stars, des chanteurs, etc., des choses très très glamour. Sauf qu'évidemment, un conseil que vous pouvez donner maintenant aux jeunes filles qui nous regardent, évitez de manger des sushis avant qu'on vous fasse le baise-main. Ah, oui. C'est Marc Lavoine. Oui, 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 tout à coup, c'était la première fois que je rencontrais Marc, qui est quelqu'un d'extrêmement séduisant et de très élégant. Et je venais effectivement, au moment où il m'a saisi la main, où j'étais en plein rêve, je tendais la main comme ça, j'ai réalisé qu'effectivement, je venais de m'enfiler une dizaine de sushis saumon. Et voilà, et je ne sais pas manger avec les baguettes, donc voilà, j'ai eu un grand moment de solitude. D'accord. Voilà. Et du coup, maintenant, vous avez toujours un petit peu de sambon. Absolument, j'ai toujours du parfum avec moi. Oui, oui, tout à fait. On apprend dans la vie, Oui, oh, oui. Elle a souvent, en Normandie, un chapeau australien en cuir, des bottes, un gros barbour. Elle monte dans un pick-up et moi, je la surnomme la Cynthia du Bush. J'ai peur qu'en me disant cette anecdote, on sache... On va savoir. Hein, on va savoir. Enfin, on a des infos. Moi, j'aimerais savoir comment elle dort. Ah oui, pourquoi? Parce que ça doit faire fantasmer plein de gens de savoir comment la Même moi, je suis choqué dort. Par la question. C'est vrai? Oh non, ça Mais va. Non. Détendez-vous. Je rigole. Je fais semblant de ne pas assumer. Cette question m'arrange. Non. Comment Curieux. Ah, parce qu'on veut savoir plein de choses. Oui, évidemment. Oui, bah oui, j'imagine. Comment Flavie Flamand dort? Comme Marilyn Monroe? Absolument. Avec juste quelques gouttes. Mais après, je vais faire. Voilà, quelques gouttes de parfum. Merci. Bon. Alors, effectivement, vous avez fait beaucoup de. Enfin, c'est pas non plus. Non, mais c'est passionnant. Mais non, mais c'est bien, c'est une image qu'on aime D'accord. bien. D'accord. Okay. Alors, juste, effectivement, Jacques, vous avez. Racontez beaucoup de choses dans votre autobiographie que j'ai lue, et c'est vrai, je dois l'avouer, qu'en premier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu quoi comme passage? Carla Nicolas. La rencontre. Une fois que j'ai écrit le chapitre assez vite. On rappelle au cas où des gens auraient raté qu'ils se sont rencontrés lors d'un dîner organisé chez vous. Et quelques semaines après, pour que les choses soient bien fraîches, j'ai écrit cette rencontre pour ne rien oublier des détails, des mots... mais mon livre était déjà presque terminé. Je refais tout le livre et c'est mon éditeur qui m'a dit « Mais il faut que tu mettes la rencontre dans le livre. » Tout ce qu'il a raconté au mot près était juste. Qui voulait simplement soulever certains pans de ma vie et pas tomber dans le people, etc. Bon. Alors, j'ai fait ensuite lire le chapitre à Carla et à Nicolas. Je leur ai dit
où vous pensez qu'il ne faut pas le mettre, et surtout, je ne vais pas, ça m'arrangerait plutôt, où il y a des choses qui vous choquent, et évidemment... Enfin, il dit ça, mais ça a quand même fait vendre des bouquins, hein, faut pas déconner. Non, il faut le publier in extenso, parce que ça s'est passé comme Carla ça. Et Nicolas qui ont acheté tous les ça exemplaires. Ça a été tellement mal raconté. Ça a été tellement mal raconté qu'il faut raconter la vraie histoire. Tout le monde a essayé de salir cette histoire, souvenez-vous. C'était pas du tout un dîner qui a été fait pour provoquer une rencontre amoureuse. C'était un dîner qui a été fait pour détendre Nicolas Sarkozy qui venait de divorcer. Oui, tu l'as bien détendu sur ce coup-là. Juste, on a décidé de vous demander, juste pour rire, parce qu'effectivement, le couple présidentiel que le monde entier connaît maintenant, au départ, c'était un peu inattendu pour tout le monde. Pas pour vous. Ça veut dire que vous avez peut-être un regard qu'on n'a pas, un flair qu'on n'a pas. Alors, on va vous demander, juste pour rire, de marier des gens du showbiz avec des gens de la politique. Juste pour rire, comme ça. Allez, c'est parti. Alors, Flavie, pour que vous soyez dans l'action... On vous demande c'est-à-dire que lui va dire qu'il faut marier, vous allez le faire un peu, vous savez, comme pour la roue de la fortune. Alors vous avez fait l'interview du président de la République. Ah, tu veux que maintenant je fasse pouvez faire la bimbo. Victoria, d'accord, la Victoria, bimbo. Je mais sais comme pas disait Philippe Gildas, je n'ai pas les arguments nécessaires pour faire la bimbo. Oh non, tu vas pas mettre une. Un peu d'autodérision, allons-y. Vous l'avez montré. Ah, c'est pas de l'autodérision, là, c'est de la dérision. Tout quoi. Allez, viens. Elle est jamais en pantalon, Victoria. Est-ce qu'elle peut enlever son pantalon? Je crois qu'on va vous donner que des rôles d'intervieweuse politique. Il fallait bien compenser un petit peu tout ça. Il est en train de réfléchir. Vous avez vu Jacques est en train de... Bon, on l'applaudit très très fort. On va d'abord marier Olivier Besancenot. Ouais. La démarche, c'est pas mal. Et on va le marier avec Mireille Mathieu. Pourquoi? Parce que c'est le Mireille Mathieu de la politique populaire. Très bien. On va marier François Fillon. D'accord. Et je pense que Kate Moss, c'est pas mal pour lui. Ça va, dis donc, il s'embête pas, hein, Fillon. Ça va le dérider un peu, ça va le décoincer un peu. Un peu de fumette par-ci, un peu de fumette par-là. Moi, j'aimerais qu'on applaudisse Flavie, c'est un rôle de composition, elle fait super bien. On va prendre Ségolène Royal. Je mange mes cheveux, ça, non voilà. Et on va la marier avec Joey Star. Ouais. Elle a le sens du couple inattendu. Parce que elle préférerait s'appeler Ségolène Star que Ségolène Royal. C'est pas mal, hein. Pas mal, on fait remarquer. Alors, on va prendre Roselyne Bachelot. On va la marier avec Benjamin Castaldi. C'est bien ça. Private joke. Cela ne nous regarde pas. Ça le punira de ne pas avoir toujours été un très bon mari. Alors, Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo. Ah, pardon, excuse-moi, j'étais complètement... Jean-Louis Borloo ne peut être marié qu'avec Brigitte Fontaine. L'écologie, c'est la fontaine. C'est pas mal, des sacrés couples. Eh bien, Ramayad. C'est fatigant d'être bimbo. Hein. D'être bimbo. Ça tient chaud, c'est... Ramayad avec Julien Clerc. Quel beau couple. DSK. Ah. Et Rachida. Il lui faut une beauté ravageuse. DSK, tout le monde sait, c'est l'ami des femmes. Donc on va le marier avec Amy Winehouse. Le public aime beaucoup. Non, je propose de faire un ménage à trois. Donc Julien Doré avec Rachida Dati et Martine Aubry. Attends, je suis bimbo, je comprends rien. Va doucement. Voilà. Ah, attends, Julien ça, Doré, tu m'as dit. Voilà, avec Martine et Rachida. Un mariage à trois. Mais un ménage Mylène à trois. Et... Non, putain, elle regarde. Elle. Un ménage à trois. Voilà, attends, pour qu'il puisse définitivement choisir entre la droite et la gauche. Voilà. Magnifique, tous les deux. Merci beaucoup. Merci, Jacques Séguéla. Et l'applaudit.
Flavie qui a accepté de jouer le jeu de la bingo. C'est bon ? Merci. Vous avez compris, c'est juste un jeu tout ça, et c'est comme ça qu'il a marié notre président. Mais c'est ça, parce que évidemment quand on regarde ça, on se dit c'est un jeu, c'est improbable, mais je ne vous cache pas que j'ai fait partie de ceux qui ont appris que Nicolas Sarkozy était avec Carla Bruni, et j'ai pensé que c'était improbable, que c'était une blague au départ. Hein. On s'est tous habitués évidemment, ça paraît naturel maintenant. Jacques, on vient de parler effectivement de vos talents, de votre carrière, vous êtes moqué vous-même de votre côté bling-bling, il y en a qui m'ont dit c'est lui qui l'a inventé, etc. Mais tout le monde a parlé, ils ont beaucoup vanné, mais affectueusement, ils ont parlé de votre sens de la famille, de votre générosité. Et puis lors d'un anniversaire, il n'y a pas si longtemps, vous avez eu droit à un clip, alors dedans il y a des très proches, votre famille, vos enfants, votre femme, ah, et puis des stars. C'est le plus beau moment de ma vie. Oh que j'aimerais revoir ça. Eh bien on va le voir ensemble, regardez. Le plus beau moment de ma vie. Ça fait longtemps que tu te bats pour tes idées, que tu refuses les compromis et les clichés. Jacques, bravo. Tenir 40 ans en pub, c'est un score à la soviétique. Ça fait longtemps que tu te bats pour tes idées. La publicité a fait de toi son papé. Notre fils. Mais ta famille est toujours ta priorité. Ma fille, ma femme. Sophie, Tristan, Sarah, Lola, Anna, Mia. Jumelles. Font partie de la génération Séguéla. Séguéla vie, Séguéla amour. Pour ceux qui mènent de nuit et jour. Séguéla. Marco. Quand on y croit depuis toujours. Ruquier. C'est que la vie. C'est que l'amour. Le cœur battant comme un tambour. C'est que la vie. Christine. C'est que l'amour. Carl. Les idées fusent. J'aime, j'aime, j'aime. Julien. Séguéla. Jacques, on a fait tout ça parce que tu le vaux bien. Claire Schiffer. Ça, c'était un magnifique cadeau de Franck Tapiro. Qui a écrit la musique? Qui a écrit la musique? C'est Franck Tapiro qu'on a vu, qui est le dernier chanteur. C'est un très grand publicitaire. Mes grands-fils de pub, pendant 20 ans, on a fait des quantités de campagnes ensemble, qui m'a fait ce cadeau pour mes 40 ans de pub. Et c'est un souvenir extraordinaire parce qu'ils sont tous là. En tout cas, on est content d'avoir vu les images. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Je vous laisse me rejoindre. Vous allez deviner qui était dans l'oreillette ce soir. Alors, à votre avis, Flavie, qui était là? Allez-y, Franco. Qui était là? Alors attends, je pense que Max, mon frère, mon petit grand frère, est là. J'ai cru à une anecdote que tu as rapportée, que Séverine, avec laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans, qui est une de mes meilleures amies, était là. Je crois également que Valérie, qui est aussi ma meilleure amie, est là. Et je crois que Gaëtan, avec laquelle j'ai vécu à Caen, est là. Voilà. Après, je sais pas s'ils sont aussi nombreux là-haut, mais à mon avis, dedans, il y en a des bons. Et voilà. Il y aura ma femme. Attention, ça va se régler sur l'oreiller, hein, parce que... Alors après, je sais pas du tout. Il y a peut-être Tapiro. Mm-hmm. Allez-y, dites des noms, on va aller voir apparaître. Il y a Tapiro, il y a peut-être Carl Zero. Il y a peut-être Baffi. Bon, allez, on découvre tout de suite, ils vont apparaître. Je vous demande de les applaudir, ils ont fait chaud toute la soirée, mesdames et messieurs. Les complices de Panique de l'Orient ce soir. Merci mon frère. Merci mon frère. Ça va? Je vous laisse grincer autour de lui. Oh là là, c'est... Oui. C'est... Non, je suis très, très, très heureuse, très surprise et très heureuse. Voilà. Allez, une phrase sur chacun.
Séverine, on a vécu 10 ans ensemble de boulot, main dans la main, et elle me manque chaque jour. Valérie, qui est là tous les jours d'ailleurs pour moi, et qui est là depuis plus de 10 ans aussi, et qui est mon âme sœur, qui est ma meilleure amie, à qui je dois beaucoup. Estelle, que je n'ai pas vue depuis, mon Dieu, hein, des années et des années, on passait nos vacances à Port-Bail ensemble, on se croise, on a des enfants et tout. Gaëtane, voilà, avec laquelle j'ai vécu la coloc. La coloc, et des grands moments. Et Gaëtane qui a toujours été d'une fidélité à toute épreuve, dans des moments où j'étais pas forcément là, elle a toujours été là. Bon, Max, mon petit frère, que j'adore. Et puis caché derrière, je suis très surprise, quelqu'un qui ne parle jamais. Et qu'on ne voit jamais à la télévision, parce qu'il est derrière les caméras d'habitude. Et qui est l'homme que j'aime et qui est Pierre. Voilà. Et je suis très touchée qu'il soit tout seul. Voilà. Je vous applaudis très très fort. Merci d'être venu. Jacques, un mot. Alors, elle a confirmé, elle était là le soir du fameux dîner, et elle a confirmé que vous aviez un dictaphone sous la table, parce que tous les mots dans le bouquin sont les vrais. Oui, Eric, c'est la vie. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, c'est la vie, c'est la belle vie, c'est la bonne vie, c'est la vraie vie. Et ça, c'est tellement rare par le temps qui court. Il peut y avoir tous les drames du monde, la vie continue. Puis c'est la création, à l'état pur. C'est incroyable. On se met dans une pièce avec lui, on fait 3 campagnes à la minute. À la minute. En tout cas, il pourquoi elle marche pas toute. Hein. Et c'est la fidélité. Hein, parce que ça fait 40 ans. 30 ans. Non, on se connaît 25 ans, mais encore une fois avec Jacques, 25 ans, ça fait 40 ans. C'est ça qui est fabuleux. On a senti, c'est une vie. Voilà. Et la pub lui coule dans les veines. Là, c'est un vrai, vrai fils de pub. Et elle, c'est l'amour. Voilà, c'est la seule chose qui compte dans ma vie. Il n'y a pas d'autre. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, je remercie ses complices d'être venus faire le show. Franck, pourquoi la vache Kiri ne pleure jamais et autres secrets génétiques des grandes marques ? Sublime film. Je le découvre à l'instant, donc je ne l'ai pas lu. Parce que ça deviendra un film. Ça parle du génome des marques, en fait. C'est grâce à Jacques qui m'a vraiment appris le métier. C'est mon père spirituel. C'est lui. Il est toujours là pour vous. C'est lui qui m'a appelé le premier jour quand j'ai perdu ma Rolex. C'est lui le premier qui m'a appelé. Qui était là en cas de coup dur. Voilà. Et donc j'ai appris déjà 3. Moi, j'étais un amoureux des marques. Et puis c'est vrai qu'il m'a appris un jour que les marques, c'était des personnes. Et moi, j'essaie de travailler sur la biologie, ce qu'elles avaient à l'intérieur, le génome des marques. Donc c'est vrai que c'est un hommage aux marques et à tous les amoureux des marques, dont il fait partie, que c'en est le prince. C'est chez Albin Michel. Merci. Et puis parmi tous vos livres, Génération Q, le quotient émotionnel, avec encore une belle formule, arme anti-crise, que vous avez écrit avec ce garçon qui s'appelle Christophe Hag. Un petit génie. Un petit génie. Lui, c'est le QI, moi, je suis le QE. D'accord. Donc, ensemble, c'est Einstein. Bon, voilà. Et donc, c'est cette idée que finalement, on n'est que la moitié. C'est une bonne nouvelle. Le QI, parce qu'il y a plein de gens qui font des complexes parce qu'ils n'osent pas passer le test du QI, c'est pas très grave, parce que ça garantit le succès à 25% seulement. Hein, c'est ce que j'ai lu. Absolument. Et que le quotient émotionnel, c'est l'avenir. Et il y a des témoignages de 22 chefs d'entreprise qui vous expliquent comment ils prennent leurs décisions. Exactement. Et QE sans QI n'est que ruine de l'âme. Magnifique. Merci. Jacques Séguéla. Je vous remercie tous les deux d'avoir raconté votre parcours avec générosité, de montrer qu'il y a des hauts et des bas dans la vie. Et je finis cette émission avec cette phrase d'Oscar Wilde qui disait... Dans la vie, il faut viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit toujours dans les étoiles. Merci à vous. On se retrouve dans 15 jours. Merci à vous. Merci.